Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle masterclass de la Fédération française des échecs, celle de niveau avancé, entre guillemets. Pour rappel, tous les lundis soirs, il y a la masterclass de niveau débutant intermédiaire. Alors, si vous ne connaissez pas les règles des échecs, si vous venez juste d'arriver et vous ne savez pas jouer, n'hésitez pas à aller apprendre avec les petites vidéos d'initiation qu'on trouve sur le site de la Fédération. Donc, c'est des très bonnes vidéos qui ont été faites par le club d'Annecy Saint-Lô. Donc, je mettrai un lien dans la description. Il n'y est pas encore, mais je le rajouterai. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Alors, ce soir, nous avons un invité. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà arrivés. Notre invité a été champion d'Europe des moins de 16 ans, vice-champion du monde des moins de 18 ans. Il était vice-champion de France en 2010, champion de France en 2012. Il était de nombreuses fois sélectionné dans l'équipe de France, notamment en 2013 où il a fait partie de l'équipe qui a été vice-championne d'Europe par équipe. À cette occasion, il a eu même la médaille d'or du troisième échiquier. Il fait partie des très rares joueurs français à avoir dépassé les 2700 Elo. Il est actuellement 2649 Elo. Il s'agit du grand maître Romain Edouard. Hop, petit. Bonsoir Romain. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Heureux d'être avec toi. Tu es en forme pour cette soirée? En pleine forme. Excellent. Alors, on a beaucoup de choses à voir. Tu as choisi un thème. Donc, tout de suite, on va donner le thème. Et puis après, on va parler un petit peu de l'actualité qui est effectivement le tournoi des candidats cette semaine qui a connu un rebondissement. Donc, le thème de la soirée, tu as décidé de montrer les plus belles parties d'attaque des joueurs contemporains, des meilleurs joueurs français. Alors effectivement, oui, j'ai décidé de mettre un petit peu à l'honneur les meilleurs joueurs français. Donc j'ai choisi une très jolie partie d'attaque de Maxime Vachier-Lagrave. En fait, c'est des parties d'attaque hein, essentiellement. Oui. Donc, une de Maxime Vachier-Lagrave, une de Laurent Fraissinet, une d'Étienne Bacro, une de moi et quelques-unes encore s'il nous reste un petit peu de temps. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de mettre à l'honneur les meilleurs joueurs français. Donc je ne me compare pas évidemment à Maxime ou Étienne, hein, mais vu que je donne la masterclass, c'était assez logique que je montre aussi une partie personnelle. Tout à fait. Et voilà, on va avoir des jolies variantes, quelques petits feux d'artifice tactiques, des sacrifices. Et voilà, le thème, ça sera la victoire, l'attaque entre les mains des Français. Voilà, des joueurs que tu connais bien puisque tu les as côtoyés de nombreuses fois, que ce soit en championnat de France ou en équipe de France. Évidemment, on a un petit cercle d'amis, donc on se connaît tous très personnellement. Voilà, donc déjà du monde, 20h31. Alors avant de se lancer dans justement ces belles parties des joueurs français, je vais mettre l'échiquier quand même. Comme ça, vous saurez qu'il est là. Voilà, que ça commencera bientôt. Un petit mot, ben, on est effectivement. C'est logique de dire un petit mot, même si on va pas prendre trop longtemps pour ça. Hier, il y a eu la décision d'annulation du tournoi des candidats. On avait vibré mercredi avec la victoire de Maxime Vachier-Lagrave, notre numéro 1 français, qui avait repris la tête du tournoi. Donc, situation très 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 rare qui se produit avec cette annulation. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? Alors, ce n'est pas une annulation, heureusement d'ailleurs, Oui, c'est un pardon. report. Les résultats sont gardés. Bon, alors, on savait que ça allait tomber. Moi, je dirais que les Français, là, on s'en tire pas mal parce que d'abord, on a eu Maxime Vachier-Lagrave dans le tournoi. Alors, j'aurais préféré que le coronavirus n'existe pas et que Maxime joue la prochaine fois. Hein, mais bon, voilà, ça nous apporte une petite touche de joie dans cette période, en ce moment, qui est un poil sombre. Donc voilà, moi j'étais très très heureux de voir Maxime au tournoi des candidats, mais c'est vrai que l'ambiance, on sentait que ça se détériorait. En tout cas, on sentait que de plus en plus de joueurs on pouvait plus, et voilà, la situation dans le monde qui devenait de pire en pire. Donc on sentait que ça allait tomber, ce moment où ils allaient dire on arrête le tournoi, on le reprendra plus tard. Et heureusement pour nous, ça tombe après la ronde 7, après la victoire de Maxime contre le leader. Du coup voilà, le tournoi va sans doute se jouer, se terminer dans peut-être, je sais pas, 6 mois, peut-être plus, mais on peut vivre ces 6 mois en sachant que Maxime est maintenant le gros favori pour se qualifier, en tout cas le favori pour se qualifier pour le match, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'aurait pas été le cas si le tournoi s'était arrêté un jour avant.
Exactement, il est en... donc il est premier ex aequo, mais comme il a battu son concurrent qui est ex aequo, c'est vrai que c'est un avantage pour le départage final si jamais il termine à égalité. Alors c'est vrai que la route est encore longue, il reste 7 parties, mais un point d'avance quand même à ce niveau, ça compte. Et on suivra ça, ben, effectivement, on ne sait pas quand, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 8 mois, on ne sait pas. Le championnat du monde à la base contre Carlsen était prévu. En décembre, est-ce qu'il sera lui aussi décalé? Bah, on ne sait pas non plus pour l'instant. Mais effectivement, du côté des Français, on est en tout cas content du côté sportif. Bah, comme tu l'as expliqué, au niveau de la situation générale, on peut malheureusement qu'être triste. Mais du côté sportif, de ce côté-là, on avait eu une grosse déception avec la non-qualification de Maxime, le fait qu'il ait été repêché. Alors on pourrait parler aussi de Radjabov, hein. Je ne sais pas si tu as un avis Oui, sur Radjabov qui s'était retiré pour cause il craignait les conditions de jeu, etc. Finalement. Oui, écoute, je comprends ses raisons. Après, il a voulu prendre cette décision en solo. Je ne pense pas qu'il ait consulté les autres joueurs pour essayer de faire une sorte de putsch ou quoi que ce soit. Donc, il a pris sa décision de se retirer alors que les autres joueurs ont accepté. Donc, voilà, maintenant, il demande à être réintégré. Pour moi, ça fait aucun sens, hein. Voilà, il a pas suivi le protocole. Alors, aussi dramatique que soient les circonstances, bon, bah, alors. Peut-être le compenser avec une wildcard en 2022, quelque chose comme ça. Mais là, le temps du candidat est en cours. Les joueurs ont tout donné pendant ces 7 parties. Et donc, évidemment, les résultats de tournoi doivent être gardés intacts. Et c'est dommage pour Radjabov. Mais c'est comme ça, ouais. Mais voilà, il y avait un protocole à suivre. S'il voulait vraiment faire un putsch, il fallait appeler les joueurs un par un et les convaincre. Voilà, si au lieu de faire ça tout seul, ils avaient fait ça à 3, 4, 5, je ne sais pas. Peut-être que le tournoi n'aurait jamais commencé. Déjà, 2-3, ça aurait eu du poids, quoi. Ouais, ils étaient deux. Bah, Radjabov Wangao et. était un peu dans la même Ouais, Van Gao, position, les deux Chinois avaient pas ouais. très envie de jouer, mais bon. Le seul qui a tapé du poing sur la table, c'est Radjabov. Très difficile en tout cas, très difficile comme situation pour tout le monde et pour les décideurs, pour les joueurs, enfin ouais, vraiment compliqué. En tout cas, on va enchaîner avec le thème de la soirée. Alors la première question, c'est est-ce que vous entendez bien Romain? À mon avis, oui, mais je vous laisse confirmer sur le chat. Voilà, juste pour être sûr, parce que le son c'est toujours un peu délicat. Il y a une autre chose, on croise les doigts pour nos connexions internet, hein, parce que l'internet est surchargé un peu partout en ce moment. Alors que je salue Pascal sur le chat, ça me rappelle des bons souvenirs. On nous dit que le son est bon, donc parfait, impeccable. Oui, donc on croise les doigts pour nos connexions respectives, et puis les vôtres aussi de votre côté pour que vous puissiez suivre. Lundi, malheureusement, on a une petite coupure. Si jamais on a une coupure, ne vous inquiétez pas, on reprendra, on espère, dans la foulée, hein. Voilà, 5 minutes de coupure, ça peut arriver par ces temps-ci. Mais on reprendra directement. Rendez-vous sur la chaîne de la fédération pour retrouver le direct. Voilà, et bien je pense qu'on a fait une bonne présentation. Il est 36, on va attaquer. Oui, dernière annonce. Vous savez que la fédération organise des tournois. Il y a eu la simultanée de Marc-Andrea Moritzi juste avant là. Et puis dimanche à 14h, un mot de passe en 10, un mot de passe. Un tournoi en 10 plus 3, 10 minutes plus 3 secondes, donc un temps un peu plus long pour ceux qui préfèrent avoir plus de temps pour réfléchir. Demain, il y a aussi un tournoi, il me semble, Romain, tu participes à un tournoi avec Jonali Reza Firouja. Oui, un tournoi organisé par Chartres et Europe Échecs. Chartres et Europe Échecs, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que Et c'est ça. effectivement, c'est un tournoi de. De Ça sera un Blitz. tournoi de Blitz demain après-midi. Voilà, donc bon, bah, c'est bien, il y a plein de choses qui se passent, on aime bien annoncer toutes les initiatives. Et donc pour le tournoi de la fédération, c'est dimanche de 14h à 16h30, on 10 plus 3, et le mot de passe, c'est comme toute la semaine, c'est je reste chez moi, tout attaché. Voilà. On est parti. Tout de suite avec cette première. Donc c'est des parties que tu as sélectionnées, Romain, j'imagine que la sélection n'a pas dû être facile, parce que les joueurs français, ils ont joué beaucoup de belles parties. Alors, c'est surtout la sélection de la partie de Maxime qui n'a pas été facile parce qu'il a un paquet de parties qui auraient eu tout à fait leur place dans cette masterclass. Mais je me suis rappelé de cette vieille partie contre Robert Fontaine où il avait des pièces noires et il avait vraiment gagné. C'est un festival de sacrifices, cette partie, une partie très très instructive
avec un super finish. Et donc, je me suis dit, voilà, je me suis dit que c'était celle-là ma préférée. Ok. C'est bien de voir un peu des parties, voilà, peut-être plus anciennes. 2007, hein, donc Maxime, qui était assez jeune, il jouait déjà le championnat de France. Il jouait déjà le championnat de France et il avait même pas 2600 Elo à l'époque, il avait 2595, donc bon, déjà un très fort grand maître, mais il était très loin du MVL d'aujourd'hui. Et cette partie qui le met à son avantage au niveau du calcul, du jeu tactique, déjà à l'époque, hein. Alors on va la découvrir ensemble, Sylvain. Donc Robert qui a joué cavalier F3 et Maxime qui a répondu F5. Alors c'est assez, je trouve ça assez amusant, peut-être un clin d'œil à d'autres joueurs français du top 10 français, Jules Moussard, Maxime Lagarde qui aime aussi employer la défense hollandaise régulièrement. Peut-être qu'il a été un précurseur, effectivement. Mais oui, une ouverture qu'aujourd'hui les forts grands maîtres utilisent pour gagner, mais que les forts grands maîtres utilisaient déjà pour cette même raison il y a une dizaine d'années. Donc voilà, Maxime qui déjà affiche dès le premier coup une volonté d'essayer de battre son adversaire, Robert Fontaine, qui pourtant avait pratiquement le même élo que lui à cette époque-là. Y a Maxime qui demande l'idée de F5, et bah tout simplement empêcher le pion de venir sur E4. Voilà, c'est un coup qui contrôle le centre, même si évidemment c'est aussi un coup un peu risqué. Faites attention quand vous jouez votre pion F en début de partie. D4, cavalier F6. Alors évidemment, on va pas passer trop de temps sur le début de partie. Si jamais il y a une chose importante, Romain, n'hésite pas à me couper. Là, on est dans une grande variante de hollandaise Leningrad. Donc, tout ça, c'est la variante principale. Et ici, Maxime a joué ce coup cavalier C6, qui ne répéterait probablement pas aujourd'hui à cause de la force des modules d'analyse, puisque cavalier C6 aujourd'hui est réfuté par la théorie à cause à cause de D5. Carrément. D5, cavalier A5, B3. Cavalier E4, les noirs ont l'air de gagner une qualité, mais ici on fait cavalier prend E4, fou prend A1, et si je ne me trompe pas, on fait cavalier EG5, et on voit, le cavalier en A5 se retrouve très mal placé, on va ouvrir la position aussi avec E4, éventuellement un cavalier qui va arriver en E6. Cette position est connue maintenant comme étant très mauvaise pour les noirs. Alors l'ordinateur, à l'époque, les ordinateurs étaient peut-être moins catégorique qu'aujourd'hui, mais voilà, aujourd'hui un bon ordinateur met dans cette position plus 1, plus 1,50, donc un avantage décisif pour les blancs. Donc c'est bon, KSC6, c'est un coup qui n'est plus trop employé. Ça marche. Alors, il y a quand même une petite question de Ruben. Alors, je ne sais pas si on va avoir la réponse, si tu as la réponse. Il demande si cavalier 5 est aussi réfuté. À KE5, c'est peut-être moins mauvais du coup que cavalier A5, mais c'est censé, après cavalier prend E5, puis on prend E5. Et je pense C5, c'est censé cette position être inférieure pour les noirs. Ok. On va pas aller trop dans les détails. Donc cavalier C6, à noter qu'il y a plusieurs d'autres coups ici, comme dame E8, le coup principal, et C6, si je ne m'abuse. Voilà, C6 par exemple, qui est le coup suggéré par Adrien Demuth, qui est peut-être le spécialiste français de la hollandaise, puisqu'il a écrit un livre dessus et il conseille la variante C6 ici. D'accord. On a beaucoup d'auteurs français, on a de la chance. On en parlera d'ailleurs à la fin de la soirée, puisque Romain qui écrit souvent des livres, et donc ce sera l'occasion d'en parler, de les présenter. Voilà. Alors, cavalier C6, allez, on avance. B3, E5, donc les noirs qui avancent au centre finalement. Là, c'est un semi-succès déjà pour les Nord. On a réussi à jouer E5, qui n'était pas gagné d'avance. Puis on prend. Fou A3, attaque la tour. Effectivement, donc là, les Blancs jouent pour l'avantage d'espace. Ils espèrent que la tour bouge et installer par exemple un cavalier en D5, et puis je sais pas, enlever la dame de D1, mettre les tours au centre pour que la dame D8 soit exposée. Voilà, les Blancs ici jouent vraiment pour l'initiative, pour le dynamisme. Et Maxime ici va complètement faire changer le dynamisme de camp en sacrifiant une qualité sèche, un sacrifice purement positionnel et dynamique. Il a joué ici E4 et sur fou prend F8, tout simplement dame prend F8. Alors ne me demandez pas comment les noirs récupèrent immédiatement le matériel, c'est simple, ils ne le récupèrent pas. Mais Maxime estime que dans cette position, le fou G7 vaut bien une tour.
Et c'est souvent le cas. Un Fulufian Keto qui ne peut pas être, qui ne peut pas être Échanger, ouais. échangé voilà, par un fou adverse, en général, vaut plus que les 3 points qu'on attribue normalement à la valeur d'un fou. Et donc Maxime, ici, en fait, voilà, prend l'espace, prend l'initiative, mais il a donné une qualité nette d'impôt. Alors, belle transition quand même, Romain, bien joué avec la masterclass de la semaine dernière de Christian qui nous avait montré le sacrifice de qualité. Donc Ah voilà, d'accord, on je ne savais enchaîne. pas. On fait la C'est transition. un de mes exemples préférés quand je donne des cours sur le sacrifice de qualité. C'est un des premiers exemples aussi qui me vient à l'esprit. Ça marche. Cavalier D4, prise, prise. Fou E6, ok, il développe Donc ses pièces. Maxime, voilà. Donc Maxime joue les coups simples. Voilà, il sort d'abord ses pièces et il va finir à un moment donné par s'en prendre au roi blanc avec H5, H4, comme on va voir. Donc là, une petite menace sans doute de cavalier D5 avec le Attention, réveil du fou. non, à la menace cavalier D5, donc la dame blanche doit repartir. Dame D2. Et H5. H5. Maxime aurait pu mettre d'abord une tour en D8, mais en fait, ça ne l'aurait pas avancé à grand-chose. Les blancs auraient bougé leur dame, alors je ne sais pas où, peut-être en F4 par exemple, voire en C2 pour garder un œil sur le quai C3. Et ensuite, les blancs auraient fait tour à D1 et auraient essayé d'harceler un échange de tours. Donc ça n'aurait avancé à rien au noir de gagner ce tempo sur la dame blanche. Donc à la place, H5 de Maxime Vachier-Lagrave qui part à l'assaut du roi blanc. Tour à D1, H4, H4. oh l'attaque, À l'attaque. et Dame G5, F5. qui Roi F7. attaque, qu'attaque des pions, ouais. L'attaque des pions, mais Roi F7 et le pion H4, si je ne me trompe pas, est difficilement prenable parce qu'après fou H6. Les blancs auraient beaucoup de mal à sortir leur dame de cet étau. Voilà, la dame, voilà, les noirs qui vont menacer du G5, du F4, etc. Voire tout calmement dame G7 et tour H8 pour aller chercher la dame. Là, on n'a vraiment pas envie avec les blancs de faire dame prend H4. Ok, donc il a été plus prudent, il a joué Dame F4. Il attaque le pion C7. Alors là, le pion C7, pour le coup, on ne veut vraiment pas le donner parce qu'après, la coordination des pièces noires serait complètement perdue. Donc dame C5. Protège le pion C7. Robert insiste avec cavalier B5. Donc Maxime a échangé une fois en G3. Pourquoi pas, il fallait bien le faire à un moment donné de la partie et a joué tour C8. Qu'est-ce qu'il a fait Maxime avec son coup H5, H4, H-prend G3? Et bien, il a affaibli le roi blanc à moyen terme. Il a ouvert la colonne H. Il a affaibli le pion G3. Le pion G3 qui est cloué, on voit que le pion F2 est cloué par la dame C5, donc on pourrait imaginer des thèmes de cavalier H5, cavalier prend G3. Voilà, il a ouvert la colonne H. Pour l'instant, il ne peut pas se permettre de tout envoyer à l'aile roi. Il doit d'abord tenir le pion C7, mais peu à peu, il va repousser les pièces des noirs et il va attaquer le roi blanc qui est un petit peu vulnérable. Voilà, Bastien qui nous dit, je joue aussi la hollandaise, c'est super. Donc, L'hollandaise en ce moment, ça marche, ça cartonne. c'est la grosse mode. Maxime Lagarde, hein, qui est le champion de France en titre, un grand adepte de cette ouverture. Hein. Champion de France en titre grâce à la hollandaise, hein, parce qu'il était mené 1-0 au départage contre Laurent Fraissinet au championnat de France et il a égalisé avec les Noirs en Avec marquant une sur hollandaise, la ouais. hollandaise. Il a égalisé sur la hollandaise, sinon le titre lui échappait. Impressionnant. Cavalier D4. Recentralisation. Il espère attraper le fou. Et Maxime qui garde son fou. On veut garder la paire de fous avec les Noirs, c'est logique. Et là. Sous pression, alors je ne sais pas ce que les blancs étaient censés faire dans cette position, mais leurs coups sont pas du tout faciles puisque les noirs veulent jouer tour H8, suivi par fou H6 par exemple, et ça enfermerait déjà pratiquement la dame blanche. Donc c'est déjà compliqué ici de jouer un coup avec les blancs. On a du mal à pousser F3 par exemple parce que la dame C5 est très très bien placée sur cette diagonale. On ne sait pas trop quoi jouer ici avec les blancs. On a une qualité de plus, mais on ne sait pas vraiment quoi en faire. Et donc Robert Fontaine a réagi violemment avec G4 pour essayer de trouver du contre-jeu. Cavalier prend G4. Oh, pardon. Cavalier prend F5. Donc Robert qui sacrifie du matériel, fou prend D5. Fou prend F5, pardon, au tour D5. Oui, je veux juste montrer Robert. que le pion pouvait pas prendre parce qu'il y avait le Alors le fou. pion ne pouvait pas prendre à cause de tour prend D7, effectivement. Donc fou prend obligé. Et tour D5. Et là, Robert a trouvé une bonne façon d'activer ses pièces. Ça lui a coûté une pièce, mais maintenant,
tour D5, il attaque la dame C5. Et si la dame s'en va, il y aura tour pan fou F5 échec qui gagne pour les blancs. Donc voilà, dame quelque part. Sacrifice en F5 et la tour F8 derrière est perdue. Donc ça, Maxime ne le veut surtout pas en entendre parler. Et après tour D5, Maxime a sacrifié la dame par dame prend D5. Alors déjà, il avait sacrifié une qualité, maintenant il sacrifie la dame. Alors, entre-temps, les blancs ont resacrifié une pièce et maintenant ils sacrifient la dame contre la tour, ce qui fait qu'ils se retrouvent avec deux pièces pour la dame. Mais alors, deux pièces monstrueuses après fou E5. On voit bien que le roi blanc est en danger ici avec un fou qui arrive en H2 puis la tour en H8. Donc seulement deux pièces, mais deux sacrées pièces. La dame qui veut de repartir très loin. Il y avait une petite question, pardon de te Ouais. couper, Alors j'ai du Romain. mal à suivre le chat parce que je suis sur téléphone pour le chat. Et donc, excusez-moi si je rate des questions. Oui, je regarde aussi en même temps. À deux, on va réussir à attraper les questions. C'était Pascal qui demandait, je pense qu'il posait la question par exemple ici. Comme tu disais, le fou G7 est très fort sur la grande diagonale. Et donc, il se demandait sur quelle base Maxime s'est décidé à lancer une attaque sur le roi, ici. Alors, c'est vraiment une partie de déséquilibre. Ça reste une qualité nette de moins pour les noirs ici. Et donc, il faut trouver le point faible de la position blanche. Ici, effectivement, on a un joli fou, mais c'est bon, voilà, j'ai envie de dire que c'est le fou tapisserie, quoi. Si on cherche pas à attaquer le roi blanc, on a un joli fou et point final. Ça me rappelle une anecdote que m'avait raconté un ancien entraîneur à moi, Olivier René. Il m'avait raconté une partie contre Korchnoï, où Korchnoï, il attaquait très très violemment sur l'aile roi, sur une sicilienne. Olivier René avec les noirs. Et puis ils analysent. Et puis à un moment donné, Olivier lui dit, ouais, c'est vrai que tu m'attaques, mais quand même, regarde mon fou B7, il est génial, il a toutes ses cases. Et là, Korchnoï lui avait dit, écoute, mon ami, ici, c'est les échecs concrets. C'est Voilà. pas de dire que j'ai une belle diagonale, quoi. C'est qu'est-ce qui se passe dans la position. Voilà, ici, on calcule et ta belle diagonale, tu l'oublies. Donc, à quoi il sert ce fou de case noire? On est surtout content que les blancs n'aient plus de fou de case noire eux-mêmes, parce que comme on l'a vu déjà dans les prochains coups de la partie, à un moment donné, on en était rendu au point où le fou s'était retrouvé en E5, etc. On va Cette paire retourner. de fous, elle va servir, et cet enfermement du fou G2 par le pion E4, cet avantage d'espace, il va servir à aller attaquer le roi blanc, parce qu'aux échecs, bah, finalement, presque tout, voilà, une partie d'échecs, ça se termine par échec et mat. Et donc, c'est pour ça que presque n'importe quel sacrifice, même si le but n'est pas forcément de récupérer le matériel directement, ni de faire mat directement, en principe, à moyen terme ou à long terme, le but d'un sacrifice, c'est quand même d'aller chercher le roi adverse, ou alors de faire promotion d'âme en finale avec un pion, mais le plus souvent ça va être d'aller chercher le roi adverse. Donc là, voilà, Maxime profite d'avoir un petit peu anéanti l'activité des blancs pour lui-même tout envoyer à l'aile roi. Voilà, donc il fait échec, le roi doit se mettre dans le coin et la tour arrive. Tour H8, et donc là la menace c'est déjà fou F4 échec suivi par fou prend dame, et on aura une pièce d'avance. Donc la dame blanche doit bouger sur case blanche pour éviter un échec à la découverte malheureux. Là, ce sont les blancs qui menacent une découverte avec D6 échec. Alors Maxime a joué fou D6, mais a répété seulement une fois la position. Il a joué fou D6, Échec, le roi se 1, décale, il 3D1, recommence. A. Donc la nulle est dans la poche, mais il n'en veut pas. Ici, il joue B5 pour chasser la dame de la case C4 et empêcher cet échec à la découverte avec D6. Donc à noter, hein, D6, faites attention quand vous faites une découverte que votre pièce soit pas en prise. Et celui-là, Évidemment, ce D6 serait directement prend dame. mauvaise nouvelle. Dame prend. Dame prend B5 a été jouée et maintenant Maxime continue son attaque de l'autre côté avec E3. Le pion qui s'y met du coup. Le pion qui s'y met, donc là toutes les parties dans l'attaque, et le coup E3 un petit peu surprenant qui offre aux blancs la possibilité d'ouvrir la colonne F sur laquelle se trouve le roi noir. Mais sur F prend E3, il y aura une mauvaise surprise, ce sera fou F4 échec. Et sur roi G1, il y aura fou prend E3 échec. Donc les blancs seront obligés de couvrir par tour F2, avec une position qui est déjà même matériellement gagnante ici pour les noirs, avec déjà tour et deux fous, tour et cavalier fou pour la dame. Donc ici, l'évaluation de la position est très claire.
Ça Alors. rend le coup, puis on prend E3 impossible, mais ça rend aussi le prochain coup blanc, du coup, très difficile. Là, on menace par exemple cavalier point F2 échec, qui est difficile à empêcher. Ici, un coup comme F3, ça n'aiderait pas trop. On ferait quand même cavalier F2, probablement. Et ça tourne un petit peu au cauchemar pour les blancs. Il a fait fou F3 On fait fou pour essayer de F3. sortir son roi, c'est compréhensible. Hein. C'est compréhensible. Cavalier prend F2, qui peut Check. pas trop sortir son roi quand même, parce que roi G2, il y a du fou H3 qui va arriver. Et sur roi prend H2, on va pas prendre la tour, mais on va faire fou D7 et on va aller chercher la dame. Voilà, échec à la découverte. Pas mal de découvertes hein, dans ces variantes. Et on prend la dame à la fin. On a une pièce de plus. Donc les blancs ont été forcés sur Kf.f2 de faire tour point F2. Pion point F2, donc on menace F1, dame, échec et mat, roi G2, obligé, plus ou moins. Fou G1 de Maxime, tranquillement. Maxime défend son pion et veut faire fou H3 échec et veut faire dame en force. Ou tour H2 échec et dame en force. Dame C6 a été jouée par les blancs. Peut-être pas la meilleure défense, mais la position était déjà probablement perdue. Et là, Maxime nous a gratifié d'un très très joli finish. Il aurait pu simplement faire fou H3 échec suivi par F1 dame. Alors là, les blancs auraient espéré avoir un échec perpétuel avec dame prend C7, mais est-ce qu'il y a un échec perpétuel? Il y a peut-être un échec perpétuel Ouais, ici. c'était assez risqué, donc on va plutôt regarder la partie pour pas dévoiler quelque chose qu'on va vous faire chercher. Donc, tour H2 Effectivement. échec. Bien meilleur. Maintenant sur roi F1, il y aurait fou H3 et fou prend G2 mat. On peut montrer ce mat très élégant, très rare, hein. Mat très élégant. Avec deux fous, un pion, la tour là. Et il est bloqué par son pion E2. Assez drôle que le pion E2 n'ait pas encore bougé depuis le début de la partie. C'est Donc. vrai. Il a joué roi G3. Et là, c'est à vous de jouer. À vous avez les noirs. Et vous devez essayer de trouver le coup de Maxime Bachier-Lagrave. Donc, sur On le va suivre chat. un petit peu dans le chat. Proposez-nous vos coups. Alors, Ethan qui a une bonne idée, mais Ethan, comme il est fort, il va devoir donner la variante en entier. Et pas que le premier coup. Bien joué Maxime, bien joué Team Chess, Monsieur Filoche. Alors tout le monde a le premier coup, mais est-ce que vous avez calculé la suite? C'est ce qui est intéressant, quoi. Parce que c'est vrai que le premier coup est joli, mais on se retrouve, on a toujours du matériel en moins sur l'échiquier quand même. Alors en tout cas, bravo, vous êtes nombreux à avoir trouvé la sous-promotion. La sous-promotion, donc on peut pas faire une dame ici, malheureusement, on aurait bien aimé. Mais là, on va se prendre vraiment échec perpétuel, grâce au roi blanc d'ailleurs, qui va nous bloquer quand on va essayer de monter avec notre roi. On va pas pouvoir continuer notre route avec le roi, donc c'est échec perpétuel ici. Donc bien sûr, Maxime, il avait prévu ça, hein, il avait pas prévu de faire une dame. Et il place la sous-promotion en cavalier échec au roi. Force le roi blanc à aller en F4 et maintenant c'est mat en force. Tour H4 échec. Alors fou G4 aurait pu être possible, mais bon, ça aurait été encore donner une pièce sans vraiment améliorer la Trop de situation des pièces. blancs. Donc Roi G5. E5, j'imagine qu'il y avait mat en un En un coup. coup avec fou D4. Et là encore un très joli coup dans la partie. Après roi Oui, GE5. on va voir si nos auditeurs vont le trouver, le final. Parce que là, c'est déjà un beau coup, la sous-promotion, mais c'est pas fini. Alors, ici, il attaque la tour. Et qu'est-ce qu'on fait? Ici, à vous de jouer avec les noirs. Et essayer de prévoir voilà, la variante en entier. C'est ça les échecs, hein. C'est pas juste de jouer au coup par coup. C'est essayer de prévoir la suite. Alors bien sûr, selon votre niveau, c'est plus ou moins difficile. Mais là, c'est quand même la masterclass du vendredi. Niveau avancé. Alors on veut la variante en entier. Alors, elle a été donnée, je crois, quelque part en entier, si j'ai bien lu. Ah, c'était Team Chess qui avait carrément donné depuis F1 cavalier, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Bravo, Team Chess, gros niveau là, avec cette variante de 5 coups, ou de 6 coups même. C'est une variante de 4 coups. De 4 coups, À mais partir de là, ouais. vraiment compliqué. Oui, à partir de là, 4 coups. 6 coups à partir de la promotion cavalier. Effectivement, donc beaucoup de monde dans le chat, vous trouvez presque tous. Bravo.
Donc fou E3 échec, sacrifie la tour. Il n'avait pas assez sacrifié hein, dans cette partie encore. Il y avait encore une pièce qu'il n'avait pas sacrifiée, donc il donne sa dernière tour. G5 échec. Donc tout le monde s'y met, hein, vraiment. On a vu le pion E3 tout à l'heure qui se mettait dans l'attaque. Maintenant, c'est le pion G5. Le roi qui n'a qu'une seule Tout case. aura servi dans l'attaque, même le roi noir va servir dans l'attaque, comme on va le voir. Il n'y a que les pions C7 et A7 qui n'auront pas servi. Roi H5 obligatoire, cavalier G3, roi H6, et ici, mat du pion. Mat en bougeant un pion, très joli. En jouant un pion. Alors, mat en fait du fou, mais mat en jouant un coup de pion. Donc, ouais, une partie d'une élégance vraiment suprême, quoi. C'est Et le vraiment roi qui prend une partie effectivement belle. C'est une partie. Quand je donne des cours, je ne sais jamais dans quelle catégorie la mettre, cette partie. Le sacrifice de qualité, le sacrifice de dame, partie Sacré. d'attaque. Où est-ce que je la mets, cette partie? J'ai envie de Elle la est un mettre. peu partout, ouais. Je la sous promotion. La paire de fous. Enfin, on a tout dans cette partie. Et voilà, un finish fantastique. Ouais, à couper le souffle et donc Maxime qui avait même pas 17 ans, je sais pas en quel mois il est né, mais là c'était août 2007. Donné en octobre, fin octobre. Voilà, même pas, il avait même pas encore 17 ans et il avait signé cette partie en championnat de France adulte. L'un de ses premiers, effectivement, en 2007. Peut-être pas l'un de ses premiers, il les joue, je pense, depuis 2004 ou 2005, peut-être. Bon, en tout cas, superbe, voilà, une superbe prestation avec les Noirs. Voilà, Frédéric Loyerté qui nous dit prix de beauté. Et oui, si. Effectivement, coup de beauté, ça, sans le moindre doute. Alors, on enchaîne avec une partie. Bah une partie de toi, Romain. C'est à peu près les mêmes années, c'est 3 ans plus tard. 2010. Championnat de France de Belfort. Tu joues contre Vlad Kachev. Absolument, donc c'était le championnat de France à Belfort où donc j'ai fini vice-champion de France. J'ai perdu au départage contre Laurent Freycinet, mais j'avais gagné cette partie très importante contre Vlad à la ronde 10. Donc c'était une ouverture espagnole et il m'avait surpris dès le quatrième coup, en fait. Donc voilà l'ouverture espagnole pour Ouverture l'instant. espagnole à 6. Et là, il m'avait surpris avec une variante que j'avais jamais vue. Il m'avait fait B5, fou B3 et cavalier A5. Quelque chose que. Un thème classique dans l'espagnol, mais d'habitude, les noirs jouent d'abord KF6, fou E7, D6 se développent avant d'aller chercher le fou B3. Donc là, les noirs négligent un petit peu leur développement pour aller chercher la paire de fous. Et c'est plutôt malin comme variante, puisque par exemple, sur cavalier prend E5, pour profiter du pion qui n'est plus protégé, les noirs prendraient simplement sur B3, apprend B3, dame E7, et récupéreraient ensuite le pion E4. Voilà, par exemple, D4, D6, et on va récupérer E4 sur échec. Et la position noire, ici, est assez confortable. Donc, cavalier A5, tu n'as pas pris pion. Donc, cavalier A5, j'ai simplement décidé de jouer sur mon avantage de développement. J'ai fait petit roque. Et il ne s'est pas pressé de prendre le fou B3, puisque dès l'instant où il va prendre le fou B3, je vais reprendre du pion A. Et puis, je vais prendre beaucoup d'espace derrière avec C4, puis D4. Donc il s'est dit je vais faire D6 en premier. Pour l'instant, il n'est pas pressé de prendre en B3. Sur fou D5, il y aura toujours C6. Donc voilà, pas de raison de se précipiter. J'ai joué un coup un petit peu piégeur ici. Et ça a plutôt bien marché dans la partie. C'était tour E1. Tour E1 avec une idée qui est en cas de KF6, c'est ce qui s'est passé. Jouer D4. Et sur pion prend D4, je veux pouvoir ouvrir complètement la position avec E5. Ici, ça serait probablement déjà gagnant avec des problèmes. Pion prend E5, cavalier prend E5, des menaces sur F7, des menaces de KC6 échec. Voilà, ça me paraissait être assez dangereux pour les noirs. Du coup, après D4, la solution naturelle ici, ça aurait été de finalement prendre quand même ce fou B3. Apprend B3, cavalier D7. Pour tenir le pion E5. Voilà, les Noirs ont un petit retard de développement, mais ont la paire de fous. Et ici, j'aurais très certainement joué C4, suivi par KC3, avec voilà l'avantage d'espace qui compense largement pour la paire de fous. Probablement un petit avantage pour les Blancs, mais une position néanmoins très solide pour les Noirs.
Et pour éviter cette poussée C4, Vlad a décidé de repousser encore davantage la capture du fou B3. Il a joué cavalier D7, qui perd en force dès le huitième coup. Donc c'est très très inhabituel pour Vlad, qui est un joueur très solide, mais qui ici en a trop voulu, a trop attendu pour attaquer pour échanger le fou B3. Ici, la pointe, c'est D prend E5. Cavalier prend B3. Et ici, j'ai un coup intéressant. Alors, cavalier prend B3 qui était obligatoire, puisque maintenant je menace. Alors, on peut revenir un Oui. demi-coin en arrière. Si les noirs se contentaient de jouer D prend E5, maintenant j'aurais eu par exemple fou prend F7 échec. Roi prend et dame D5 et je gagne la tour à 8. Alors voilà, ou dame D5 et peut-être fonctionner directement, je ne sais pas. En tout cas, D prend E5, voilà, là, ça force maintenant l'échange en B3. Mais ici, j'ai un coup intermédiaire après cavalier prend B3 qui est très désagréable. Alors évidemment, si j'étais obligé de faire A prend B3 après D prend E5, ce serait une grosse amélioration de la position noire avec voilà, l'avantage au centre des blancs qui s'est réduit, le fou F8 qui peut sortir jusqu'en C5. Ce n'est pas quelque chose que je veux avoir avec les blancs. Mais la pointe sur cavalier prend B3, c'est fou G5, intermédiaire, attaque la dame noire. Et fou G5 pose des sérieux soucis, puisque si les noirs se contentent d'un coup de développement comme fou E7, je vais simplement échanger et prendre en D6, encore une fois intermédiaire, attaquer la dame. Et enfin, je reprendrai en B3, mais j'aurai gagné un pion, et un pion très important, puisque non seulement j'ai un pion d'avance, mais les noirs ont une grosse faiblesse en D6. Le coup intermédiaire que Romuald nous avait présenté d'ailleurs lundi soir comme thème, là on en voit déjà plusieurs exemples. Alors, petite question de Cécile, en combien de temps s'est jouée cette partie? Eh c'est la cadence classique du championnat de France, donc ça devait être du 1h40 plus 30 secondes par coup et encore 30 minutes au 40e coup. À l'époque, c'était même sans doute 1h50 pour 40 coups, plus 50 minutes pour la suite de la partie. Encore plus lent à l'époque. Donc ça peut faire des parties de 7 heures, on peut dire en gros, hein. Alors du coup, sur fou G5, le seul coup pour les noirs, la seule façon de continuer à jouer pour les noirs, c'est d'accepter le challenge et de jouer F6, qui est un coup très affaiblissant, mais... Voilà, ce qui attaque une nouvelle pièce, tandis que les blancs n'ont toujours pas repris le cavalier B3. Donc pion prend F6, menace par exemple F7 échec pour faire ensuite coup prend dame. Donc pion prend F6 obligé. Et ici, il est très important de continuer dans la même voie. Il faut absolument ouvrir toute la Alors, position. est-ce que peut-être les auditeurs peuvent trouver ce coup, un coup star, hein, de la partie? Quel est le prochain coup des blancs pour continuer dans l'attaque? Alors, Bastien qui propose Dame D5, c'est vrai que ça attaque la tour, mais les noirs pourraient eux aussi prendre une tour, sans doute. Ouais, alors quand je donne cet exemple-là en stage, mes élèves veulent toujours, toujours, toujours jouer Dame D5. Et il faut toujours que j'explique, attention, tu as déjà sacrifié une pièce. Et là, tu m'attaques une tour, mais moi aussi, je prends la tour à 1, et ensuite, je prends le fou G5, et ça fait beaucoup de pièces quand même. Ouais, on peut Maintenant, là, montrer il faut d'ailleurs. vraiment... On peut montrer que là, on a deux pièces de retard. Voilà, donc il faut vraiment jouer pour l'initiative à très très court terme. Là, le matériel, ici, j'ai envie de dire, ne compte pas. Il faut essayer de mater le roi noir. Je vais essayer de baisser un petit peu le son des pièces parce que j'ai l'impression qu'il était un peu trop fort. Voilà. Et puis il y a le sifflet en plus des fois quand je me trompe avec la souris. Donc j'essaie de réduire un peu les. Alors, bravo, hein, il y en a plusieurs qui ont trouvé le coup. Bien joué. Vous avez trouvé le coup de Romain. E5. Un coup directement en face du roi. On veut ouvrir. Et on sacrifie encore. Absolument, donc E5 pour ouvrir complètement toute la position, ouvrir la colonne E coûte que coûte. Ici, la partie a continué par D prend E5 qui était le coup le plus logique. Voilà, sur par exemple pion prend fou E5, il y aurait eu pion prend D6, Échec à la découverte. la découverte, roi F7, pion prend C7, on prend déjà un paquet de pions, la dame blanche qui arrive en D5 pour prendre la tour à 8. On pourrait même imaginer au prochain coup
Simplement apprend B3 puisqu'on a déjà, on a seulement une pièce de moins et on a déjà ramassé pas mal de pions. On peut aussi ramasser le pion G5. Donc ça serait pas une solution pour ça serait pas une solution pour les noirs. Ici après E5, il faut absolument empêcher pion prend F6 échec, il faut faire des prends E5. Donc cavalier prend E5 dans le même état d'esprit. Maintenant attention à la dame blanche qui arrive en H5. Cavalier prend E5. Donc à noter qu'il ne peut pas prendre du pion parce qu'il perd sa dame. Alors, il y aurait pire. Sur pion prend E5, tu aurais dame H5 Ah, mat. le mat en un, bah, j'ai bien fait d'en parler. J'avais pas vu du tout qu'il y avait mat. Et regardez ce mat. Mat avec deux diagonales simplement. Donc cavalier prend. Il prend du cavalier. Il prend du cavalier, il est obligé. Et là, encore une fois, priorité à l'attaque. Alors, genre, dame H5 échec aurait pu être une possibilité, mais le roi s'enfuirait en D7, C6, etc. Donc, il faut quand même que je récupère un minimum de matériel si je veux pouvoir ensuite concrétiser mon attaque. Donc, tour prend E5 échec. Le pion F6 est toujours cloué, à cause de la dame D8 qui serait en l'air. Donc, il faut jouer. Voilà. Donc, il faut jouer après tour prend E5 échec, fou E7. Maintenant, dame H5, il est temps. Et le roi est obligé de partir en D7. En cas de roi F8, il y aurait fou H6 et tour E3. Et là, un coup plutôt joli, puisque d'habitude, quand on attaque, on avance, mais là, on recule. On recule la tour pour faire tour G3 mat. Notez la puissance de la dame H5 dans l'attaque, mais aussi dans la défense, puisqu'elle contrôle la case D1, ça évite les mats du couloir. Très Et là, important. les noirs ne peuvent plus rien faire contre tour G3. S'ils font par exemple fou D6, les blancs vont mater de l'autre côté de l'échiquier, soit avec tour 8, soit avec dame D5 même. Ah oui, il y en Mais a de partout, là. il y en a de partout. Là, on peut faire le mat avec deux diagonales comme ça encore. Voilà. Donc le roi est obligé de partir vers D7, mais encore une fois, après roi D7, il y a un seul coup gagnant pour les noirs. Pour les blancs, pardon, et si ce coup n'existait pas, les noirs auraient en fait l'avantage ici. Donc vous pouvez peut-être aussi, encore une fois, dans le chat, essayer de trouver le prochain coup blanc. Là, c'est peut-être un petit peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. On va voir si le chat est au niveau. Premières réponses sont pas mal. On laisse un petit peu chercher tout le monde. Je crois qu'on n'est pas trop mal en timing. On est bientôt à la fin de la deuxième partie. Alors, il y a eu au moins 6 bonnes réponses. Bien joué, vous avez trouvé l'idée. Fou prend F6, c'est ce qu'a joué Romain. Et l'idée, c'est de placer. Si le fou prend, bien sûr, qui n'a pas été joué, on va gagner la dame. On Et va alors là, gagner il la dame. y a une petite pointe, ouais. Et après, roi C6, par exemple, tour prend D8, tour prend D8. Toujours la dame H5, très importante, qui défend la case D1. Et donc, on jouera simplement pion prend B3 ici. Puis on prend B3. Et sur fou prend B2, on a fait une petite case pour la tour. Tour A2. Alors, c'est peut-être pas très joli, mais maintenant, l'avantage matériel est décisif en faveur des blancs. Et le roi en C6 est toujours pas à l'abri de Le toutes problème. les attaques de la dame blanche. Donc fou prend F6, qui est un coup très important, puisque sinon, par exemple, sur tour D5 échec, tu aurais eu fou D6. Sur à la place de tour D5 échec, sur un coup de dame H3 ou dame G4, non seulement les noirs auraient pu répéter, faire roi E8, espérer faire nul, mais ils peuvent même partir en C6 ici, et sur dame F3 échec, partir en B6. Et voilà, le prochain échec, par exemple, fou E3 échec, les noirs couvrent avec C5 et le roi en B6, en fait, est très très bien placé maintenant, bien mieux qu'il n'a jamais été dans la partie. Et les blancs ici, bah, mine de rien, ont sacrifié. En fait, on sacrifiait qu'une seule pièce, mais on leur deux tours en prise. Donc, c'est un problème assez sérieux. Un bon exemple de ce qu'il faut pas faire, c'est donner plein d'échecs, mais le roi s'échappe pendant ce temps-là. Effectivement, donc c'est. On a tendance parfois quand on attaque à vouloir faire échec, échec, échec et à voir ce qui se passe ensuite. Mais non, c'est très important avant de commencer de calculer, avant de faire des échecs et non pas après, comme le font beaucoup, beaucoup de joueurs. Parce que c'est tentant des fois de faire échec, bizarrement. Donc fou prend F6, un coup très important pour dévier
le fou E7 de sa diagonale de défense. Vlad qui a joué cavalier prend A1, du coup, qui sait qu'il va perdre sa dame, mais qui se dit, bon, bah, autant essayer de récupérer le maximum de matériel possible. Fou prend E7. La dame noire est obligée de se sacrifier en E7. Alors elle peut pas, ouais, Alors, elle peut déjà avoir essayer des... de bouger quelque part, mais ça va être mat. Alors, imaginons dame E8, je vais te faire dame F5. Roi C6, dame E4, roi B6, fou C5 échec. Tu vas devoir aller en A5 et là je vais même pas te prendre ta dame, je vais te faire dame B4 mat. Donc Là, pour le coup, la série d'échecs a été fructueuse. effectivement. Donc Donc, il dame prend sacrifie. E7 obligatoire. Tour prend E7, roi prend E7. Et là, c'est pareil, encore un dernier moment où il était important de ne pas se précipiter, parce que le premier coup qu'on a envie de jouer en blitz, c'est dame E5 échec, fourchette 3 tours. Mais attention, ça permettrait au fou de case blanche de s'interposer, de s'intercaler avec fou E6, et la tour A8 défend la tour H8. Ça resterait une position compliquée, par exemple, après dame prend C7 échec, ça reste 3 pions pour la pièce avec un cavalier en A1 en péril. Peut-être que même comme ça, les blancs seraient gagnants, mais c'est évidemment pas nécessaire de laisser aux noirs cette possibilité de réorganiser leur jeu. Et donc, après roi prend E7, le coup le plus précis, c'était dame C5. Dame C5 échec, et que j'ai joué. Et je vois que l'analyse continue sur l'écran, mais en fait, il a abandonné ici, puisque le roi n'a pas de case. Par exemple, si le roi va sur la sixième rangée, alors admettons roi E6, il y aura dame C6 qui gagne la tour A8. Sur roi F6, il y aura dame D4 enfilade qui gagne la tour H8. En fait, la partie, je crois, a continué un coup de puce. Il a été en F7 quand même. Et après dame prend C7, c'est là qu'il a abandonné, Là, je il a crois. vu qu'il allait perdre une tour. Alors là, oui, parce que soit il va y avoir soit un échec sur la six, soit un échec, il va y avoir de toute façon un échec qui va ramasser une tour. La seule façon de garder les deux tours temporairement, ce serait de jouer roi G8. Mais après dame D8 échec, roi G7, dame D4. Les noirs seraient forcés de jouer roi G8 pour pas donner la tour H8. Et maintenant dame D5 gagne la tour A8 et c'est terminé. Voilà, après dame prend C7. Il y a eu abandon. Donc voilà, c'était une de mes plus belles parties d'attaque. C'est pour ça que j'ai choisi de la montrer aujourd'hui. Ouais, spectaculaire et puis très importante. Avant la dernière ronde de championnat de France, c'est pas facile de faire des parties comme ça dans les parties à enjeu comme celle-ci. Alors je voulais montrer un petit piège sur Roi F6, oui, ne vous trompez pas, c'est la même piège que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut essayer Dame C6 pour faire la fourchette, mais on se fait avoir par le même coup. Fou E6. Donc encore une fois, ne pas se précipiter, ne pas croire que ça y est, on est en train de gagner la partie. On vérifie et on revient sur l'autre enfilade. Alors, il y avait un petit commentaire sur le chat, c'était une partie avec que du calcul, pas de stratégie. C'était Christopher qui faisait cette remarque. Effectivement, là, ce n'était pas une partie stratégique du tout. Ça aurait pu l'être s'il y avait eu un échange de cavaliers contre le fou B3 très tôt. Là, ça aurait été une lutte stratégique puisque ça aurait été l'espace contre la paire de fous. Mais dès l'instant où on est rentré dans ces complications avec fou G5, il n'y avait plus de stratégie du tout, du tout. Ça, je suis bien obligé de le reconnaître. Alors, Terra qui nous dit, n'oubliez pas les pouces, les amis. Oui, vous pouvez mettre un pouce sur le haut. Vous pouvez aussi partager la vidéo si jamais des joueurs n'ont pas eu l'info qu'il y a la masterclass. On est encore quand même dans la première moitié de la masterclass. Donc, c'est le moment de partager sur les réseaux sociaux si vous voulez avertir des joueurs ou des connaissances de cette masterclass. Il est encore temps. Alors, on peut enchaîner avec la troisième partie de ta sélection, Romain. C'est une partie de Laurent Fraissinet. Alors j'ai préparé le petit visuel. Hop. Laurent Fraissinet, effectivement, qui avait été l'une des deux wildcards du premier, du seul en fait, du seul tournoi, de la seule édition de ce Memorial Alekhine à Paris. Alors, c'était en quelle année cette partie? C'était 2013, ouais. en 2013. Donc ensuite, après ce tournoi-là, il y a eu le Grand Chess Tour qui est arrivé. On sait qu'il y a Gilles Bettaouzer qui organisait
le Grand Chess Tour Rapid et Blitz à Paris. Mais en tout cas, à cette époque-là, ça a été voilà, le seul tournoi pendant plusieurs années, le seul tournoi d'élite en cadence lente organisé en France. C'était le Mémorial Alekhine et il se jouait à moitié à Paris, à moitié à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg ou une autre ville russe, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'était Saint-Pétersbourg. Il me semble que c'était Saint-Pétersbourg. Et donc, voilà, les joueurs avaient joué la première moitié du tournoi à Paris. Et pour la deuxième, ils avaient tous pris le même jet privé pour arriver jusqu'en Russie et jouer la deuxième moitié de tournoi. Et donc, voilà, grâce à cette moitié de tournoi en France, on avait le droit à des wild cards pour des joueurs français. Et c'est tout à fait logiquement, puisque Maxime Vachelerov était déjà dans le tournoi, c'est tout à fait logique que ce soit Étienne Bacro et Laurent Frayssinet qui en aient profité. Et voilà, ils n'en ont pas fait n'importe quoi de cette wildcard, loin de là, puisque, Ouais. comme on va le voir, Laurent Frayssinet a mis une énorme claque à Vladimir Kramnik avec les pièces noires. L'ancien champion du monde, voilà. Donc regardez la photo que j'ai sélectionnée. J'ai eu un choix très facile parce que regardez dans le fond, on voit un portrait d'Alekhine et c'était le Mémorial Alekhine. Donc photo très classe avec Laurent Frayssinet qui a fait un prix de beauté qu'on va vous montrer maintenant contre Kramnik dans ce Mémorial Alekhine. Donc tous les champions sont réunis. On y va. Donc il avait les pièces noires. Il avait les pièces noires, donc on va retourner l'échiquier. Et il avait joué une variante très risquée sur les conseils de son secondant pendant le tournoi qui était Richard Rapport. Richard Rapport qui est un joueur, on le sait, Très dynamique. assez créatif et assez courageux dans ses choix d'ouverture. Avec ici cavalier C6. Alors, on nous a posé une petite question sur le chat. Est-ce qu'il y aura des exercices? Bah, il y en a déjà eu plein. On vous a déjà posé plusieurs questions. Et voilà, dans chaque partie, déjà, on vous pose des petites questions. Et n'hésitez Effectivement. pas. Et à la fin, j'ai en plus sélectionné quatre exercices. Donc, Et vous aurez, bien sûr, voilà, un document avec des exercices. Si jamais on voit qu'il nous reste plein de temps à la fin, on en fera un ou deux peut-être. Mais ça, c'est pas gagné d'avance. Et en tout cas, vous aurez les exercices aussi après la masterclass. Voilà, vous pourrez vous entraîner après coup. Donc cavalier C6, un coup ambitieux, on peut dire. un coup ambitieux, un coup à la Richard Rapport. Et on va voir que l'idée des Noirs, ça va être de. Bon, alors là, les Noirs veulent faire E5, donc les Blancs font D4. Tout à fait logique. Fou G4. Cavalier BD2. Bon, fou G2 est une autre possibilité. Dame D7. Et l'idée des Noirs, ça va être de faire grand roque et puis d'ouvrir avec E5 ou encore H5, H4. C'est une préparation à la Richard Rapport. Voilà, une. Si je me souviens bien, il n'avait pas eu trop de mal à convaincre Laurent Frayssinet de jouer aussi de façon aussi agressive contre Vladimir Kramnik, puisque voilà, c'est pas spécialement marrant de jouer contre. Alors c'est risqué, hein, jouer une ouverture que pareil contre Kramnik, on peut aussi se prendre 20 coups, hein, ça c'est sûr. Ça peut mal tourner. Ça peut mal tourner, mais voilà, il évite. Il sort quand même Kramnik de sa zone de confort. De sa zone de confort, pourquoi? Parce que d'abord, il a 100 points d'avance, il a les blancs, en principe, il est censé être assez tranquille. Ensuite, enfin, Laurent a été pendant plusieurs années secondant de Vladimir Kramnik, donc il y a le respect de l'élève pour le professeur. Et ensuite, Kramnik, avec son style de jeu, est très très rarement embêté, surtout avec les pièces blanches. C'est très rare qu'on l'agresse, donc il aime bien avoir son petit avantage et puis jouer ses petites finales. Et il gagne beaucoup de parties comme ça, techniques, que beaucoup d'autres joueurs n'arriveraient pas à gagner. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un très bon choix de Laurent Frayssinet de le sortir complètement de sa zone de confort et de lui dire, numéro 1, tu n'auras pas le genre de position que tu veux. Et numéro 2, eh ben, je suis peut-être que Laurent Frayssinet, entre guillemets, mais je suis là pour te battre. Je vais essayer de te mater. Et c'est pas agréable même quand on est favori dans une partie, de voir que l'adversaire part avec des ambitions aussi élevées. Donc c'est un conseil qu'on peut donner aux joueurs qui affrontent des joueurs mieux classés. Alors là, c'est vrai qu'il n'y a que 100 points d'écart, mais ça peut être si vous affrontez des joueurs 300 points de plus, 400 points de plus, n'hésitez pas à prendre des risques, à les bousculer et à les attaquer, à leur faire peur. C'est là où vous avez plus de chances de succès finalement. Alors c'est ça, c'est-à-dire que après ne franchissez pas la ligne, c'est-à-dire que il faut quand même progresser. Quand on joue ses parties, le but de jouer des parties, c'est aussi de progresser. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, d'envoyer trois pièces et de perdre. Mais ce qui est important, je le répète encore une fois, c'est de sortir quand vous jouez contre un adversaire plus fort, c'est de le sortir de sa zone de confort surtout. Voilà, si vous lui donnez par exemple, des fois, j'ai gagné pas mal, fait tout le monde. Tout le monde gagne pas mal de parties contre des joueurs moins bien classés.
malgré beaucoup d'échanges de pièces, voilà, souvent des joueurs qui se disent, bon, je joue contre un joueur plus fort, j'échange un maximum de pièces, c'est génial, etc. Mais en fait, en faisant ça, vous mettez votre adversaire dans une zone, dans sa zone de confort, puisque vous le mettez dans une situation où il n'a aucun risque de perdre, où il maîtrise un petit peu le jeu, parce que lui, il sait très bien quelle pièce il veut échanger, quelle pièce il ne veut pas échanger. Et le plus souvent, la meilleure façon même d'arracher, ne serait-ce qu'un demi-point, à un joueur beaucoup plus fort, c'est de l'agresser, et pas de le laisser faire un tout petit peu ce qu'il veut, même en réduisant l'effectif de pièces sur l'échiquier. Alors, petite question de Pascal. Alors, est-ce que c'est la fameuse partie dont Laurent Frayssinet dit qu'elle lui vaut l'admiration de Magnus? C'est bien possible. À noter d'ailleurs que c'est pas le style de jeu de Laurent Frayssinet. Pas non plus le style de jeu de Laurent Frayssinet. Il a un style de jeu aussi, il a un style de jeu normalement bien plus calme, que ce soit au blanc ou au noir. Donc là, on voit vraiment l'impact de son secondant. Il ne le cache pas que c'était Richard Rapport, son secondant pendant ce tournoi, et on voit l'impact sur cette partie très clairement. Il me semble que oui, effectivement, c'est cette partie qui lui a valu la reconnaissance éternelle de Magnus. Je pense pas que ce soit leur blitz too weak, too slow sur Non. Internet. Je pense que c'est Ouais. ça. Partie qui a un peu rattrapé. Alors H3, donc d'ailleurs on avait montré lundi soir l'attaque classique contre le Fianchetto avec H5, H5, H4, enfin c'était avec les blancs, mais la même idée, voilà, de faire fou H3. Donc c'est un peu dans l'idée. Et tout de suite, Kramnik, hop, il empêche ça. H3, le fou Kramnik empêche revient. fou H3. Donc le fou revient. Et pion C3. Pion C3, donc évite les problèmes de cavalier B4. E5, donc Laurent qui envoie un pion qui estime que voilà, les blancs voulaient faire B4 au coup d'après et commencent à prendre de l'espace. Donc Laurent a estimé que par exemple F6 était trop lent. F6, B4, E5, P5, et il va pas avoir ce qu'il veut. Ça aurait pu être un autre plan, F6, E5 pour mettre le pion absolument en E5. Ouais, mais Laurent décide d'y aller directement et de sacrifier le pion en E5. Dans l'esprit de Richard Rapport. Pion prend. Grand roque. Dans l'esprit du contre Gambier-Albin aussi, on peut dire. Et après, des prend E5, grand roque. Et il attend un petit peu de voir ce que les blancs font. Mais grosso modo, l'idée, ça va être de récupérer doucement le pion E5. Si les blancs veulent vraiment s'y accrocher, ils vont devoir faire des coups qui n'ont pas forcément envie de faire. Voilà, les noirs vont faire soit cavalier E7, cavalier G6, voire parfois du F6 ou du tour E8. Et ici, Kramnik a fait une première erreur, je crois, le coup E3. Voilà, si je me souviens bien, il fallait faire cavalier B3, selon l'analyse post-mortem, avec des idées, par exemple, comme F6, pour sacrifier le pion. Alors F6, avec l'idée sur pion prend, cavalier prend, puis cavalier E4, avec de l'attaque. Sur F6, cavalier BD4, c'est l'analyse, c'était l'analyse, c'est une analyse de Laurent Frayssinet d'ailleurs, pion prend E5. Voilà, les noirs de toute façon perdent un pion quoi qu'il arrive. On a Et perdu le pion voilà, E5 là. par exemple, cavalier F6. Bon, il y a un peu de jeu pour le pion, mais les blancs vont terminer leur développement avec fou G2, fou et petit roque. Et probablement, voilà, le jeu est probablement pas entièrement suffisant. Alors il y a Maxime qui nous dit trou en F3 et D3, effectivement. Le coup E3 qui va pas très bien avec le coup G3 en général, hein. Effectivement, E3 qui n'est pas un très joli coup dans cette position. Cavalier E7 de Laurent qui veut jouer cavalier G6 et aller récupérer le pion dans d'excellentes conditions. Et G4 de Kramnik qui joue un peu trop de coups de pion dans cette partie. Qui joue un peu trop de coups de pion. Fou G6, bon, au moins le fou a pris la case du cavalier. Mais maintenant, après B4, Encore un coup de pion. encore un coup de pion, mais bon, celui-là est particulièrement logique pour prendre de l'espace à l'aile dame. Maintenant, les noirs contre-attaquent avec H5. Donc ici, B5 a été joué. Laurent disait qu'il s'attendait plutôt à tour G1. Pour Tour G1 couper, avec oui. un échange en G4 et puis par exemple F6. Les noirs vont jouer avec l'initiative prise-prise. Le cavalier va arriver en E5, le fou en G7. Ici, les noirs auraient de très bonnes compensations. Et donc, au lieu de ça, Kramnik a foncé tête baissée avec B5. Et Laurent n'a pas hésité à sacrifier une pièce ici avec H prend G4.
Il laisse son cavalier qui était attaqué en prise. Il fait H pour G. Il fait H prend G, il laisse le cavalier en prise, mais après le pion prend, cavalier prend. Le cavalier, si le cavalier F3 bouge, il y aura K et prend E5, il y aura déjà deux pions pour la pièce et évidemment une très très forte initiative. Ici, Kramnik a décidé de faire un petit coup intermédiaire, E6, un coup assez malin parce que F prend E6 permettrait un joli coup intermédiaire, tour G1. Et sur pion prend F3, on irait chercher le fou G6, qui est une pièce très importante dans l'attaque des blancs. On a noté que les blancs E6. ont affaibli les cases blanches avec les coups de Voilà, pion on sur veut, noir voilà. là. Ici, avec les noirs, on veut absolument profiter des cases blanches. Donc, on veut garder ce fou G6. Donc, pas de pion prend E6, mais dame prend E6. Cavalier D4, quand même. Donc, on voit l'idée de Kramnik qui a joué cavalier D4. Il aurait pu le faire un coup plus tôt, mais là, il le fait avec tempo sur la dame. Il force plus ou moins cavalier prend D4. Puis on prend D4 et là, on voit une position très déséquilibrée avec deux pions seulement pour la pièce, mais le roi blanc au centre. Et des grosses difficultés de développement pour les blancs. Là, il est clair que les blancs n'ont déjà plus de bon abri pour le roi. C'est toujours important d'avoir un bon abri pour le roi, ne serait-ce que même si c'est du moyen, même si on n'y arrive pas tout de suite, même si c'est pas faire grand, même si ça ne dit pas de forcément roquer au coup suivant, mais c'est bien quand même d'avoir à moyen terme, un endroit de sécurité pour le roi. Et là, il est clair qu'il n'y en aura plus jamais. À moins que les dames disparaissent de l'échiquier, évidemment. Donc là, le roi a joué très calmement, fou E7. Il sort sa dernière pièce, il lit ses tours. Il pouvait éventuellement arriver en H4 à un moment donné. Le pion G4 n'est toujours pas en prise parce qu'il est cloué à cause de la tour H1. Fou G2, d'ailleurs, pour déclouer le pion H et forcer une décision de la part des Noirs qui évidemment ne sont, se sont pas fait prier pour prendre en H3 avec tempo. Fou F3. Fou F5. Et l'idée des Noirs maintenant, ça va être de faire G5, G4. Puis fou H4, G3. Et de massacrer le roi blanc. Dame A4 a été jouée. Donc une contre-attaque, mais alors une contre-attaque assez douce, on Et va puis il n'y a dire. que la dame à l'attaque, c'est pas trop impressionnant pour l'instant. C'est effectivement pas encore trop impressionnant. Et là, Laurent a géré ça avec le plus grand des calmes. Roi B8, tranquillement. Les blancs jouaient fou A3 pour essayer d'échanger ce fou. On l'a dit, ce fou qui va être très perturbateur en H4, mais le fou vient quand même en H4. Menace ici de dame prend E3 échec. Donc Kramnik a été obligé de jouer cavalier F1 pour défendre le pion E3. Et G5. Laurent envoie les pions. Et on voit bien la position blanche qui est sur le point de s'écrouler. On aimerait bien ici avec les blancs jouer tour B1, essayer d'avoir du contre-jeu sur le pion B7. Mais en plus, la case B1 est contrôlée par le fou. Donc là, c'est vraiment zéro contre-jeu pour les blancs. Tour H2 de Kramnik. Un coup un petit peu désespéré, j'ai envie de dire. Un peu triste, ouais. Un peu tristouné. G4. Fou E4. Pardon, fou 2, fou Fou G2, 4. pardon, fou E4 maintenant, avec l'idée de jouer fou G2 et d'enfermer la tour en H2. Mais les blancs n'ont pas de façon de l'éviter, de toute façon, tour C1, fou G2. Maintenant, on interrompt aussi le contact entre la tour et le pion F2, donc on va éventuellement s'en prendre au pion F. Kramnik a joué dame A5 pour attaquer en C7. Laurent, toujours en self-control, tour C8. Tour C3. Et là, à vous de jouer. Voilà, Laurent Frayssinet vous a fait tout le travail contre l'ancien champion du monde, Vladimir Kramnik. Et vous avez les noirs. Et c'est faites-vous la main. Les noirs jouent et gagnent. Alors faites-vous la main, c'est un peu exagéré parce Ouais. que c'est pas évident, c'est du. 5 étoiles. On va dire que. Oui, là, les noirs ont En tout cas. un coup rouleau compresseur. Alors, Dame F6, c'est pas mal. Matisse, on avait dit qu'on essayait de viser F2, effectivement. C'est pas mal, il y aurait peut-être cavalier G3, tout Ouais, le simplement. cavalier qui peut venir défendre de justesse. Dame F5, pourquoi pas, cavalier G3 quand même, et ensuite on va couvrir l'échec sur Dame B1, on va couvrir avec une pièce en C1. La tour peut revenir, ouais.
Ou le fou même, peut-être. Alors, voilà, Anduk, Élise, Stéphane qui ont trouvé la réponse. En tout cas, le coup de Laurent Fraissinet. Bastien qui propose Fou.F1 qui a de l'idée aussi pour peut-être placer G3 en force. C'est pas impossible que ça gagne aussi, hein. Bon, en tout cas, le coup de Laurent Fraissinet est Oh bien plus là, grand. Hector et Team Chess qui nous donnent pardon, des variantes, des longues variantes. Bien Ouais, mais c'est joué. un peu ça. C'est un peu ça qui s'est passé dans la partie. Donc, sacrifice de fou sur F2. Fou prend F1, tout simplement. Eh ben Bastien, t'étais pas loin de la vérité, tu vois. Juste, on sacrifie d'abord et après, on élimine le cavalier. Et là, on va pousser les pions G et H. Donc, roi prend F1 a été joué. Sur fou prend F1, ça n'aurait pas empêché les noirs de pousser le pion G. G3 échec. Roi prend G3. Et là, un coup élégant, puisque le roi blanc aimerait bien revenir sur la colonne F. Un coup élégant ici, dame F5, qui On prend avait toutes les dit. cases à la colonne F avec tour CG8 imparable. Voilà, on avait dit tout à l'heure de ne pas forcément donner échec à mauvais escient. Mais là, c'est un nouvel exemple. Au lieu de donner échec, d'abord, on empêche le roi de retourner d'où il vient. Et là, Laurent qui disait Et qu'il là, avait compris que c'était fini pour le roi blanc. On peut montrer peut-être. alors là, on peut montrer la variante. Par exemple, sur tour B2, c'est une jolie variante. Donc échec comme prévu. Là, on pourrait se dire, ah, il a réussi à se cacher. Mais non, tour G2 échec. Fou prend G2. Pion prend G2. Roi prend G2. Tour G8 échec. Voilà. Et par exemple. Ah, j'ai pas fait le plus résistant parce que la tour peut revenir. Mais bon, ça change pas grand chose. Voilà, dame F3, roi H2, dame H5 mat. Voilà, les blancs ont quatre jolies pièces d'échiquier qui ne servent pas grand chose dans la défense. Voilà, joli mat de l'escalier pour finir. Donc, Kranik, après fou prend F1, a décidé de reprendre du roi en F1. Mais bon, j'ai G3, 3 quoi. naturellement. Et là, rien ne peut être fait pour sauver la tour blanche. Donc si elle Kranik a joué recule, il y 3. a la fourchette. Je montrais juste ça. Et là, je vais fou F3, effectivement. Pion prend H2. Roi E2. Le roi blanc essaie de s'enfuir autant qu'il peut. Mais tour G8 pour jouer tout simplement. Alors tour Ah H8. oui, faut pas se tromper On de... garde la défense du pion C7. On joue tour H8. On va faire tour G2. Et ensuite, on choisira quel pion fait dame. Fou C5. Une menace subtile de notre ami Vladimir qui menace dame prend A7 mat. Alors ici, B6 était certainement possible, mais Laurent a préféré A6. Fou H1, le désespoir. Fou H1, comme ça, quand les noirs font tour G2, au moins, il n'y aura pas de H1 dame derrière. Mais on fait quand même tour G2. Si le roi part sur la première rangée, on aura au minimum un tour échec suivi par tour prend fou. Sur roi D3 ou roi F3, on aura dame E4 mat. Pardon. Hop. Donc s'il vient là, on peut montrer ce mat assez joli. Pareil de l'autre côté. Donc il est obligé de prendre, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Et il n'y a pas eu de prochain coup. Il a fait fou prend G2 et a abandonné avant que Laurent Fraissinet ne reprenne en G2. Voilà, parce que après pion prend G2, ça aurait été Ça fait un peu peur là. un peu peur. Ces deux pions ont bien fait leur travail. Ces deux pions Allez, super pion GH, hein. ont vraiment un prix de beauté de Laurent Fraissinet. D'ailleurs, je crois qu'il a gagné le prix de beauté. Je crois qu'il y avait un prix de beauté dans la compétition et qu'il l'a eu. Super partie, un gain contre Kramnik en 32 coups avec les noirs. Ça lui arrive pas souvent à Kramnik, ce genre de choses. Ouais, spectaculaire, super partie de Laurent Fraissinet ici, qui a montré que même si son style était plutôt positionnel, il aime bien jouer des finales, etc., il était capable de jouer des splendides parties d'attaque. Voilà pour cette troisième partie. On va maintenant passer à une partie d'Étienne Bacro. Donc Stéphane qui dit c'est trop beau, les deux pions. Alors, on enchaîne. Effectivement, à la fin, on croit que l'échiquier est à l'envers, hein, si on regarde en G2 et H2. Alors, Étienne Bacro, 8 fois champion de France. J'ai préparé aussi un petit visuel. Voilà.
qui affrontait ici Levon Aronian, donc un des meilleurs joueurs du monde. Et un des joueurs les mieux préparés au monde. Et Étienne Bacro qui a sorti une préparation monstrueuse ici dans l'ouverture en équipe de France en 2009. Donc une victoire importante. On n'avait pas perdu ce match. Je ne sais plus si on avait gagné ou si on avait fait deux partout. En tout cas, victoire très importante d'Étienne Bacro au premier échiquier sur Aronian qui avait déroulé l'ouverture avec multiples sacrifices, comme on va le voir. Donc Étienne qui maintenant, c'est la transition un peu avec le tournoi des candidats, qui s'occupe de préparer les ouvertures de... Enfin bien sûr, il continue sa carrière de joueur professionnel, mais aussi, et ça lui prend énormément de temps, il travaille pour Maxime Bachelagraf pour préparer ses ouvertures. Et donc bah, c'est vrai que dans cette partie, il a montré une préparation impressionnante pour surclasser Aronian qui, comme tu dis, a un répertoire bah, ultra, en plus ultra restreint, donc il le connaît vraiment à fond. Et donc c'est un bon exemple, oui, de comment Étienne peut aussi ben, seconder Maxime. Alors le visuel, hop, c'est parti. Alors, c'était cette. Alors, d'abord une slave et cette fameuse variante de Moscou que Aronian joue ou en tout cas jouait sans relâche. Donc c'est la semi-slave G5. avec fou G5. Slave, fou G5, H6. Fou H4, D prend C4. Donc, cette variante de Moscou s'appelle E4, G5, fou G3 et B5. Les noirs s'accrochent au pion. Donc, vous voyez quelque chose que. On recommande en général de ne pas faire. Les noirs s'accrochent à leur pion supplémentaire en C4, mais ont joué beaucoup trop de coups de pion dans l'ouverture. Au moins, cette position a été analysée pendant tellement d'heures par tous les meilleurs joueurs du monde que voilà, Aronian ne joue pas ça au hasard. Normalement, il sait ce qu'il fait. Et pour le sortir de sa préparation, ça va être très très compliqué. Mais Étienne avait réussi. Avait réussi l'exploit lors de cette partie. Donc il avait joué fou E2, qui est l'une des variantes possibles. Alors, petite remarque, oui, les noirs ont gagné un pion, mais en échange, les blancs, ils ont un super centre et ils ont déjà sorti leurs 4 pièces mineures. Absolument. Donc gros avantage de développement pour les blancs, petit avantage d'espace également, et c'est là surtout la sécurité du roi qui va faire la différence dans ce genre de partie. Alors, j'ai mon ordinateur qui ralentit légèrement, mais je pense qu'il arrive à suivre quand même. Pour l'instant, tout va bien. Donc, fou Alors, B7. E7 avait été joué. Petit Petit roque. rock qui développe simplement. Cavalier BD7. Cavalier E5. Fou G7, c'est l'un des deux. On est encore en plein dans la théorie. Il y a aussi H5 qui est un coup théorique important. Il y a des dizaines et des dizaines de parties par des très très forts joueurs. Donc on passe un petit peu sur les finesses de l'ouverture, puisque là on est encore vraiment au tout début. Fou G7. Cavalier prend D7. À noter que c'était la position où Topalov avait surpris Kramnik et de nombreux observateurs en plantant cavalier prend F7. Effectivement, c'est la partie Kramnik, c'est la partie Topalov Kramnik à Vaikanze. Juste après leur fameux match à Elista, donc Topalov qui était très très content de mettre une raclée à Kramnik avec les blancs. Il y avait eu K prend F7, nouveauté, roi prend F7, E5. Roi prend F7, E5, et alors on peut montrer un petit peu la partie, cavalier D5, cavalier E4. Donc les blancs ont sacrifié une pièce, mais attention au cavalier qui arrive en D6 et à l'aile roi qui menace de s'ouvrir. Dame B6. Alors là, je vois que c'est une autre partie, hein. Je ne sais pas si elle suit. Alors en fait, pour D'accord. l'instant, c'est quand même Topalov Kramnik. Ok. Dame B6, K et D6, échec. Pour E7, fou G4. Pour jouer fou prend E6, suivi par Dame G4, Wow. cavalier F5, échec, des choses comme ça. Tour à F8, c'est le bon coup pour tenir un petit peu la colonne F. Sur fou prend E6, on va revenir ensuite du roi en E7 et il n'y aura pas de mat. Dame C2, c'était toujours. On suit toujours la partie Topalov-Kramnik. Et ici, effectivement, quelques années après, un grand maître indien, Sandipan, a montré, en fait, ce que tout le monde savait, puisqu'une fois que, ça, que
que cette position avait été jouée par Topalov, tout le monde a branché l'ordi et voyait que le seul coup ici pour les noirs, c'était de jouer tour HG8, prophylactique contre le coup dame G6. Voilà, avec des idées comme par exemple sur dame G6. Qu'est-ce qu'on joue d'ailleurs sur dame Fou G6? F6, ah non, Je me c'est pas rappelle une plus. bonne Fou idée. F6, peut-être fou F6. Non, fou F6, on va prendre simplement. Dame G6, ça n'attaque pas le, ça n'attaque plus le fou G7. Et là, il y a un coup pour les noirs. Je vais essayer de regarder la théorie. Cavalier C7. Ok, c'est ça, tout simplement. Tout simplement. On a défendu le, on a Ah défendu le oui, pion. il est défendu, donc on peut défendre 6. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, position dans laquelle l'ordinateur montre comme que tour HG8 est le seul coup pour tenir et qui effectivement est pas facile à trouver sur l'échiquier. Alors, Pascal qui demande si c'était une de tes idées, cavalier.f7, Romain, puisqu'on Non, sait que tu as travaillé pour Topalov. parce que ça, c'est une partie de 2007 et moi, j'ai commencé à travailler pour Topalov en 2010. Ok. C'était une idée de Tcheparinov. Alors, Cécile qui pose une question. Je me demande pourquoi à haut niveau, il ne cherche pas à faire le roque systématiquement. C'est un peu dur de répondre à cette question. Alors, oui, c'est pas qu'ils aiment pas roquer, mais voilà, il y a différents types d'ouvertures, et cette ouverture-là, c'est clairement, C'est spécial, ouais. c'est clairement de s'accrocher au pion et voilà, de faire quelques petits trous ici et là, mais c'est aussi une ouverture qui est pas mal pour gagner, puisque voilà, on déséquilibre complètement la position avec ce pion d'avance, ce petit retard de développement, ces sacrifices de pièces potentielles pour les blancs. Là, dans la plupart des parties, les grands maîtres font le roque, hein, donc c'est voilà, c'est vraiment une exception. Oui, et puis les noirs pourraient roquer éventuellement à tout moment ici, Les noirs pourront roquer. Attention quand même à pas se prendre F4, etc. Je crois d'ailleurs ce qui s'est passé dans la partie Ah bah de il Tchèque. va roquer d'ailleurs, Rognon, voilà. Alors en tout cas, Kf7, voilà, a été Kf7 a été rejoué depuis. Il a été rejoué par Grichuk. Mais qui a joué après un petit peu différemment de ce qu'avait fait Topalov et qui a aussi failli gagner. Je crois que c'était contre. Peut-être Dinglgren, non? Ouais. Il avait failli gagner, mais il avait raté le coche. En tout cas, Étienne, du coup, lui n'a pas fait Kf7, qui était déjà connu par Analyser, ouais. l'époque, et qui était déjà suranalysé. Il a fait Kf7, qui est le coup théorique normal. Cavalier prend maintenant le fou vient en D6 pour justement empêcher le roque des noirs. A6 protège le pion B5. L'idée, ça va être à un moment donné de réagir par C5 et de ne pas laisser faire cavalier prend B5. Donc, dans le même état d'esprit, les blancs font A4. Vous voyez le coup fou D6 qui est très utile, qui a empêché le roque, mais qui a aussi empêché la poussée B4. E5, alors un coup risqué avec le roi au centre, probablement. D'habitude, ouais, d'habitude on essaie de pas ouvrir le centre avec le roi au centre, mais bon, il était un peu coincé, quoi, c'est ça? Mais là, on était un petit peu coincé. Alors, peut-être qu'il aurait mieux fallu jouer fou F8 ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas un spécialiste de ce genre de position. En tout cas, Aronien a joué E5. Et vous pouvez être sûr que à ce moment-là de la partie, Aronien était encore dans sa préparation. Avec ici plusieurs coups théoriques possibles pour les blancs, comme D5, comme tour E1. Mais Étienne a choisi fou G4. Alors, tour 1 avec l'idée sur pion prend D4, par exemple, des choses comme E5. Wow. Avec le Sur sacrifice et le fou qui tour 5, arrive, on va ouvrir avec E6 après. Ça va très très mal se passer il peut y pour. avoir quasiment mat ici. Ouais, ça peut très très mal se passer ici pour les noirs. Alors c'était Kramnik d'ailleurs qui jouait avec les blancs, donc il jouait cette position avec les deux couleurs. Alors là. Qui jouait cette position avec les deux couleurs? Kramnik, Kramnik, tu... ouais. Kramnik, oui, l'a beaucoup. C'est une position qu'il a beaucoup analysée aux deux couleurs. Il a gagné des parties. Il a gagné des parties aux deux couleurs d'ailleurs. Je En sais tout pas cas, si... Ouais, il a... excuse-moi de te couper Romain, je sais pas si t'as des petits ralentissements. Moi, c'est mon... je vois que mon ordinateur est un peu en souffrance. Je vais voir si je peux fermer quelques trucs. Je sais pas si tu m'entends bien de manière générale. Bon, je t'entends bien. Ok, ça va. Bonne nouvelle. Le chat, faites-nous signe si vous nous entendez pas Oui, trop. est-ce que c'est toujours ok pour tout le monde? Je pense que c'est... ça va, mais c'est vrai que mon ordinateur commence à montrer quelques petits signes de fatigue, donc ce qui me rassure toujours moyennement. Mais vous nous dites si c'est ok. Mathis qui dit c'est ok. Bon, je pense que ça va. Bon, bah parfait. Apparemment, c'est parfait. Bon, bah on continue. Merci pour les Alors, retours.
Étienne a joué fou G4. Alors, c'était sa préparation. Difficile de commenter cette suite de coups parce que c'est vraiment un truc d'ordinateur. Il a laissé la prise en D4 et fait E5. Donc, une des idées de fou G4, j'imagine. Déjà, avoir ouvert la colonne E, puisque si les noirs décident de prendre en E5, il y aura toujours du tour E1. Et éventuellement soutenir davantage le pion E6. Alors, par exemple, si ici les noirs font pion prend cavalier C3, on peut s'imaginer que E6 soit le prochain coup des blancs avec une grosse, grosse attaque. Et en cas de F prend E6, il y aurait une mauvaise surprise, c'est fou H5 mat. Pour montrer ce joli mat Toujours ces fameux mats avec les diagonales. au centre, un peu une sorte de mat de Boden, mais avec le roi au centre, avec la paire de fous, très fort Voilà. la paire de fous. Aronian qui sur E5 a joué C5, protège le pion D4, donc il ne va pas chercher le matériel. Et à ce moment-là, les deux joueurs jouaient très très vite. Hein, donc les deux étaient dans leur préparation. Cette position avait déjà été jouée plusieurs fois, même par Nepomniachtchi avec les Noirs par exemple. Elle avait été jouée à très très haut niveau. Et Étienne avait sorti ici une super nouveauté. Alors un truc, un coup. Un coup que l'ordinateur n'aimait pas forcément, mais c'est un petit peu comme le Ke prend F7 de Topalov. Voilà, peut-être que l'ordinateur, sur la meilleure défense, donne l'avantage au noir, mais beaucoup, beaucoup de pièges et une position très difficile à jouer. Ici, Étienne qui avait envoyé F4, tout Donc il simplement. Donc, sacrifie le... F4, donc qui laisse le Ke et C3 en prise, qui ignore complètement le Ke et C3 et qui envoie le steak à l'aile dame. Donc il y aurait pu y avoir E6, évidemment, à la place de F4, mais naturellement, les Noirs n'auraient pas repris en E6, ne seraient pas pris fou H5 mat, ils auraient simplement bougé leur cavalier, par exemple, en F6. Et là, par exemple, l'avantage de ne pas avoir pris le cavalier C3, c'est que le fou D6 est en l'air. Ça peut faire une différence. Ok, il y a des grandes analyses ici, il y a des parties qui sont citées, plein de parties, Kramnik, Aronian, Anand de l'Écho, donc à la place de F4, mais F4, le nouveau coup d'Étienne qu'il a préparé pour cette partie. Donc, nouveauté 2009. Donc, voilà, il y a probablement une nouveauté sur laquelle il avait passé de nombreuses heures. D prend C3, un coup. Bon, on va dire que c'est la suite logique quand on se fait agresser comme ça et qu'on n'a pas de façon de contenir comme on veut les pièces adverses. Bon, la réaction logique, c'est au moins de prendre le matériel. Tant qu'à se prendre une attaque un petit peu embêtante, autant avoir du matériel d'avance. Et Étienne avait simplement repris en C3, tout très calmement. Voilà, donc il joue cette position avec une pièce nette de moins sur l'échiquier, mais un fou en D6 monstrueux, un pion en E5 monstrueux, que des pièces parfaitement synchronisées, et le roi noir qui ne sait toujours pas où aller. Voilà, notre équipe peut toujours pas roquer tant que le fou est en D6, c'est justement, et joue fou F8 pour essayer de se dégager. F8, alors fou F8 avant que la colonne F ne s'ouvre et qu'il y ait des problèmes trop violents sur le pion F7. Et Étienne continue avec les coups très calmes. Ici, il joue Dame 2. Dame 2 avec l'idée sur fou prend D6 de reprendre en D6 sur échec. Et c'est ce qui s'est passé dans la partie d'ailleurs. Le roi noir est parti en F8. F prend G5. C'était l'idée d'F4. On veut absolument ouvrir cette colonne F. H prend G5, sur Dame prend G5 qui aurait eu fou prend D7, tout simplement. Donc Aronian a repris du pion H en G5. Fou E6 de la part d'Étienne, qui menace tour prend F7. Il y a eu tour H7 de jouer. Sur cavalier F6 à la place de tour H7, c'est la pointe. Il y aurait eu tour prend F6, suivi par tour F1, et l'attaque continue. Le fou E6 n'est pas en prise, parce que sur Dame prend E6, Dame prend E6, le pion F est cloué. Et là, ça serait une position très très compromise pour les noirs. Donc fou E6, Aronian s'est défendu par tour H7. Alors, pardon, je reviens. Hop, il a choisi tour H7. Dame C2 d'Étienne, qui joue des coups très calmes, décidément. Donc Dame C2 qui attaque la tour. Et là, les Noirs ont un choix important à faire entre Roi G8 et Tour G7. Et le joueur arménien s'est trompé. Il a joué Roi G8 qui perd. Il aurait dû jouer Tour G7.
Alors après tour G7, ça aurait été une partie très complexe. Dame F5, par exemple. Dame F5 qui menace fou prend F7, qui menace fou prend D7. Les noirs sont sans doute forcés de rendre la pièce, comme tu le montres, Sylvain, avec cavalier F6. Dame prend F6, on récupère le matériel. Et peut-être que, effectivement, peut-être que dans cette finale. Ouais, je monte jusqu'à la fin simplement, je vais un peu Ouais, vite, ça mais je c'est me une montre. variante hein, parmi d'autres, mais voilà. Et encore ici, les blancs ont des chances, peuvent pousser un tout petit peu, mais voilà, après avoir trouvé un paquet de seuls coups, les noirs s'en sortent, c'est pas surprenant. En tout cas, voilà, il fallait jouer tour G7 et Aronian a joué roi G8, qui est un petit peu plus, peut-être un petit peu plus naturel. Alors, on a envie de s'éloigner un maximum avec le roi et de s'enlever de la colonne F. Mais voilà, tour prend F7, Étienne. Sacrifice de nouveau, tour prend F7. Tour prend F7 et tour F1, calmement. La dame blanche va arriver en G6 aussi à tout moment. Cavalier Voilà. F8. Alors, ça aurait pas trop aidé de venir par exemple en E5. Les blancs auraient fait, par exemple, tour prend F7. Cavalier prend dame H5. Dame Dame G6, G6, ouais. pardon. Pour H8. Dame H5, évidemment, pour pouvoir reprendre ensuite en F7 sur échec. Donc la nulle est déjà plus ou moins en poche. Et au prochain coup, on va faire fou F5 ici. On Ah, va pas faire. regardez, ce roi qui a plus du tout de pions en protection ou de pièces Oh, en menace plus de mat. protection à part la dame qui peut revenir en G8. C'est la dernière ressource. Dame H5 échec. Roi G7, dame prend. Et les noirs vont se faire mater. Soit en E7, soit en H7. Sur roi H8, il y aura dame H6. Sur roi F8 ou roi F7, il y aura dame E7. Donc ça, c'est une façon, par exemple, dont tu aurais pu se terminer la partie. Voilà, des variantes qui se terminent par des mats. Roi H8, dame H6, est obligé de mettre la dame et on se fait mater. Maths de partout. Ça, c'était cavalier E5. Alors, c'est une longue variante. On va revenir. Donc, il y a eu cavalier F8 qui est assez logique pour empêcher aussi. Pour tenir les cases G6, H7, la tour F7 était de toute façon perdue. On rappelle qu'ici, les noirs, les blancs ont déjà sacrifié une tour et une pièce. Donc, le fait que la tour F7 soit perdue, ce n'est pas encore décisif. Ici, Étienne ramène sa dernière pièce dans l'attaque, dame F5. Alors oui, on aurait pu. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient voulu prendre cette tour. On est assez tenté de refaire fou prend F7 échec, mais après roi G7, il faut avoir une suite. Voilà, la case G6 bien contrôlée par le cavalier F8. Et là, ça serait peut-être pas si clair cette position. La dame n'arrive pas pour l'instant à rejoindre l'attaque. Voilà, et le pion D6 qui est en l'air, ça pourrait éventuellement se retourner. Donc cavalier F8, dame F5, bon coup, ramène la dame en attaque. Maintenant, on menace de prendre de la dame en F7 et de faire dame G8 mat au coup suivant. Donc là, cavalier prend fou et plus ou moins forcé. Dame prend tour échec. Roi H8. Et là, on ne se précipite pas sur le cavalier. On fait tour F6. Menace tour H6 mat. Et la partie se termine par exemple sur dame F8 qui serait la dernière façon à part dame prend F6 d'empêcher tour H6. On ferait simplement dame prend E6 et maintenant la tour F6 attaque la dame. Toujours des menaces de tour H6, ça serait terminé. On va sans doute gagner la dame aussi, et ça va ressembler. Enfin. On va sans doute gagner la dame et plus. Le Donc, fou peut-être à la fin, mais. le coup très très certainement. Donc, Aronian a décidé de jouer dame prend F6 et de couvrir ensuite l'échec avec le cavalier. C'est tout à fait logique. Sauf que les blancs, maintenant, ont encore une dernière arme. C'est leur pion D. Et après D7, le pion est inarrêtable. Les noirs vont devoir sacrifier leur tour contre le pion D. Et donc, la partie a continué quelques coups. On peut montrer B4. Un échange, promotion dame sur échec, tout sur échec. Alors attention aux deux pions noirs, mais là, les pions, mais là, ils sont trop loin de. Ce ne sont pas les pions Ouais, G2 c'est et pas les pions de H1. Laurent là. Là, on va simplement aller les chercher. Dame B6. Voilà, il faut E4, puis fou D3 pour s'accrocher à l'un des pions. Dame A5 pour prendre deux pions A6. Attaque A6. Attaque G5, c'est complètement terminé. Donc, massacre en règle
de l'Evan Aronian par Étienne Bacro. Donc un match France-Arménie joué au championnat d'Europe en Serbie, je crois. Est-ce que c'est en Serbie? Je sais plus si je sais. Non, Alors, je Je crois que sais c'était en pas si Serbie. j'ai la ville. Ouais. Novi Sad. Donc, voilà, victoire très importante pour l'équipe de France et surtout, voilà, quelle partie. Ouais, superbe de battre les Bonarroyants comme ça, de cette façon. Une grosse préparation et puis après, bah, tout nickel, hein, pas de déchets dans le jeu des Blancs. Tout est parfait. Donc Absolument. super, super victoire d'Étienne. Bah Étienne, tu peux peut-être nous en dire un mot. C'est vrai qu'on a pas mal parlé de Maxime Bachelagrave, de Laurent Frayssinet. Toi qui le côtoies souvent en équipe de France, qui a joué souvent contre lui, qu'est-ce que tu peux nous livrer un peu comme insight sur Étienne? Bah, Étienne, c'est évidemment un joueur très, 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 très talentueux, qui a été très travailleur quand il était jeune. Voilà, il y a eu un mélange de travail et de talent qui a fait mouche à un moment donné. Alors, même si au jour d'aujourd'hui, il est assez loin derrière Maxime Vachier-Lagrave, il a quand même dominé les échecs français pendant un certain temps, avec Joël Lhotier dans un premier temps. Mais ensuite, il s'est quand même détaché. Voilà, donc très bien préparé, on l'a vu dans cette partie contre Aronian. Ils vont un peu le jeu d'échecs comme une science. Voilà, là on voit qu'il a voulu provoquer les erreurs adverses. Il a su prendre les risques qu'il fallait. C'est un très très fort joueur de finale. Moi, j'ai jamais autant progressé en finale que quand j'ai fait un stage de 3-4 jours chez lui à Kerkéran. Il m'avait voilà quelques heures par jour. Il me montrait des positions, il me faisait travailler. Et les résultats s'étaient vus tout de suite dans mes parties. Donc il avait été également très pédagogue. Et voilà, donc un joueur aujourd'hui, voilà, un joueur qui peut plus qui serait toujours capable en fait de battre n'importe qui. Il serait capable de battre Carlsen dans une partie, mais évidemment il est plus au niveau pour aller chercher par exemple un tournoi des candidats. Mais ça a été vraiment, voilà, ça a été la star des échecs français pendant très longtemps, et vraiment voilà, une culture échiquienne, une compréhension des positions que beaucoup de joueurs, voilà, aujourd'hui ils tournent vers 2700 ELO. Il y a beaucoup de joueurs à 2700 ELO qui n'ont pas sa compréhension du jeu d'échecs, ça c'est certain. Ouais, Étienne qui était dans le top 10 mondial. Qui a joué des tournois d'élite. Alors, on nous demande quel âge il a. Effectivement, c'est Terak qui répond sur le chat. C'est l'année de ses 37 ans. Et Étienne qui est bah, toujours, bien sûr, potentiellement un pilier de l'équipe de France. Effectivement, même s'il n'a pas joué l'année dernière, malheureusement, mais effectivement, Étienne Bacro qui est un pilier de l'équipe de France, comme il l'avait montré dans cette Ouais. victoire contre Ben là, l'Irlande. voilà, France-Arménie, des superbes affiches dans les Olympiades ou dans les championnats d'Europe. Et bien voilà pour les quatre parties que tu avais sélectionnées. Ce qui est bien, c'est qu'il nous reste plein de temps. Donc on va pouvoir montrer des choses supplémentaires. Ouais, alors là, c'est une partie d'attaque. Bon, alors celle-là, c'est une partie à moi contre le grand maître Ermenkov. Partie que j'ai jouée à l'Open de Martinique. Open de Martinique qui, malheureusement, je crois, n'a pas lieu cette année pour la même raison que plein de tournois, qui est annulé pour la même raison que plein d'autres tournois. Ok. Ça aurait dû être à peu près en ce moment, d'ailleurs, D'accord. 2020. Ouais. Et oui, donc tournoi que j'avais remporté en 2017, on avait fait premier ex aequo avec Fabien Lévisevski, on avait fait 8,5 sur 9 tous les deux. Et voilà, ça c'était l'une de mes victoires. Très gros Donc, score dans ce tournoi. Il y avait une petite question. Alors on fera des questions-réponses à la fin. Je vous l'ai parodie peut-être, mais. Comme on en prend l'habitude maintenant, à la fin on garde 10 minutes, un quart d'heure pour des questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions à la fin pour Romain. Bon, on en prend une en avance. Et question de Cécile, combien d'heures tu t'entraînes par jour, Romain? alors ça dépend. On va en parler aussi à la fin. Maintenant, je travaille aussi beaucoup sur les livres, donc dans l'édition, ce qui fait que ça me laisse moins de temps pour mon entraînement personnel.
Voilà, allez, mais en fait, j'ai jamais été capable de trop répondre à cette question parce que j'ai, voilà, à l'époque où j'ai obtenu mon meilleur niveau, j'ai passé 2700, etc. J'étais tout le temps en tournoi, donc je jouais l'après-midi, je me préparais le matin, le soir, j'analysais un petit peu mes parties. Forcément, si on considère que jouer, c'est du travail, si on considère que la partie d'échecs en soi, c'est du travail, là, forcément, on est sur du 7, 8, 10 heures par jour. C'est ça qui Voilà. te servait d'entraînement finalement. Bah, c'est quand même le meilleur. Jouer, c'est quand même le meilleur entraînement, à condition évidemment de prendre les choses au sérieux, d'analyser ses parties, de préparer ses parties, ensuite de les analyser. Bon, aller à un tournoi d'échecs juste pour s'amuser et jouer comme ça ses parties, puis aller à la plage, là, on n'apprend rien. Par contre, voilà, c'est comme ça que j'avais beaucoup progressé aussi, c'était en jouant des tournois sérieux et en les jouant le plus sérieusement possible. Et là, effectivement, je faisais une quantité d'heures d'échecs par jour assez énorme. J'en faisais quand même moins quand j'étais chez moi tout seul. Déjà, c'est plus difficile de travailler tout seul. Et je serais pas capable de dire un chiffre. Il y a des jours où je faisais plusieurs heures, des jours où je faisais pas grand-chose. Ouais, dur de faire une moyenne, quoi. Voilà, ça dépendait. Allez, c'est parti pour cette partie contre Ermenkov, qui a décidé de jouer la vieille indienne. La vieille indienne, alors on peut passer assez vite sur l'ouverture, c'est Ouais. pas très important. Ce qui est intéressant dans cette partie à un moment donné, c'est les manœuvres de pièces. Voilà, il avait joué un petit peu passivement dans le début. Ça, c'était la nouveauté, apparemment, de la partie. Il veut échanger les fous. Ouais, bon, j'avais accepté l'échange, j'ai fait fou D3 pour empêcher F5. Il était revenu du cavalier en F6 pour défendre H7. J'avais fait grand roque, évidemment, donc. Attaque de roque opposé, tour E8 pour menacer E4 qui gagnerait une pièce. J'avais joué cavalier D2. Il avait joué cavalier F8. Voilà, pour surprotéger le pion H7. Ça empêche éventuellement des G. Peut-être que je commençais à menacer G4. Et en même temps ouvrir la diagonale du fou C8. J'avais joué H3 tranquillement pour faire G4. Il avait fait C6. J'avais fait G4, donc lui il avait essayé de contre-attaquer de l'autre côté par A6 pour faire B5. Ici j'avais échangé en E5, j'avais jugé que c'était le bon moment. Alors je ne sais plus exactement pourquoi, mais voilà, je voulais le forcer à prendre une décision. S'il reprenait du pion, je voulais lui faire G5 et installer une pièce en E4 et pourquoi pas après en D6, par exemple avec C5 suivi par des cavaliers D6. Et sur dame prend E5, comme il a joué dans la partie, je voulais gagner un tempo sur la dame avec cavalier F3 pour replacer mon cavalier sur la case D4. Alors G5 était possible aussi, mais ça me plaisait moins. Voilà, le cavalier partait et le cavalier F8 tient bien le pion H7. Ça me plaisait moins. Cavalier D4, j'aimais bien. G6 pour empêcher la venue d'une pièce en F5. J'avais fait G5. Cavalier H5, si le cavalier part autre part, ça va me laisser faire H4, H5 plus facilement. Donc, il avait choisi de venir en H5. H4. Et là, il avait fait une faute, à mon sens. Il avait fait cavalier D7. J'étais plus embêté par cavalier E6 pour au moins essayer de liquider un certain nombre de pièces. Alors, la position blanc reste sans doute très bonne après fou E2. Mais voilà, par exemple, cavalier prend D4, puis fou F5, essayer de m'embêter comme ça un petit peu, essayer de provoquer la poussée E4. Sur E4, il y aurait cavalier F4. On peut montrer. Bon, donc je pensais que c'était la seule façon qu'il avait de trouver du contre-jeu, de ne pas me laisser avoir toutes les clés en main. Voilà, ici, les noirs s'en sortiraient plus ou moins. Il a joué cavalier D7 qui était un petit peu lent, et j'ai joué fou E2 pour forcer cavalier G7. Et H5. Donc évidemment, le pion G5 est en prise, mais j'ai pas trop peur de dame prend G5. Je jouerai par exemple H6 suivi par cavalier E4 et je vais ramasser très certainement le pion D6. Donc sur H5, il avait joué cavalier F8, il continue de jouer très passivement, mais bon, vous voyez, cavalier D7 suivi par cavalier G7 et re-cavalier F8, c'est pas trop l'idée. Et ce qui est joli, c'est un petit peu la coordination des pièces blanches sur la suite. Pion prend G6, F prend G6,
Fou D3 pour jouer cavalier E4 et cavalier F6. Je l'oblige plus ou moins à prendre en G5 parce que sinon mon cavalier arrive jusqu'en F6. Donc dame prend G5. Ça ouvre la colonne G pour ma tour. Donc je fais tour G1. Dame E7. Là on voit bien que toutes mes pièces sont placées optimalement pour l'attaque et on sent qu'il y a un sacrifice qui va arriver à un moment donné. J'avais fait cavalier E4. Je viens tranquillement en G5. Fou D7. Alors il aurait pu faire C5 éventuellement pour chasser mon cavalier D4 et j'aurais fait cavalier E2. J'aurais replacé mon cavalier en C3, D5, etc. Avec bon, des compensations vraiment terrassantes pour le pion de moins. Il a joué fou D7, il continue de jouer des coups un petit peu lents. Cavalier G5. C5. Là, j'avais des sacrifices possibles, mais j'ai pas vu de raison de me presser. J'ai joué cavalier E2 tranquillement. Voilà, je vais recycler mon cavalier en F4. Fou C6. Tour H6. Vous voyez, une case parfaite pour chacune de mes pièces. Donc j'en profite. Dame F6, cavalier F4. Et c'est ça que j'aime bien dans cette partie, c'est que si on regarde cette position, il est difficile d'améliorer l'une des pièces des blancs, en fait. Toutes les pièces blanches sont placées. Idéalement, on a l'impression que. Alors, c'est aussi grâce à mon adversaire qui m'a un peu aidé, hein, cavalier D7, qui avait fuite, etc. Forcément, il m'a laissé le temps de faire un peu ce que je voulais. Et voilà, les cavaliers, les tours, le fou et la dame sur la diagonale, les tours sur les colonnes. Les cavaliers placés prêts à être sacrifiés. Je trouve cette position assez. Voilà. Six pièces à l'attaque, ouais, à fond là. On donne pas très cher de la peau du roi noir. 6 pièces sur 6 à l'attaque. Donc il avait fait tour E7. Il me laissait un petit peu l'embarras du choix. Et j'avais fait qu'il prend H7. Donc voilà, on attendait le sacrifice, il y avait une question lundi soir, c'était quand est-ce qu'on peut sacrifier? Alors en fait, c'était probablement possible de sacrifier avant, mais c'était tellement agréable de placer mes pièces comme je l'ai fait que je voyais tellement pas de contre-jeu pour mon adversaire que j'ai pas vu de raison de ne pas optimiser toutes mes pièces avant de sacrifier. Là, K prend H7. K prend H7. Ici, c'est même pas un sacrifice en fait, parce qu'après fou prend G6, je récupère direct le matériel. Voilà, si le cavalier bouge, je vais faire fou H7 échec et je vais S'il ramasser revient, la échec, pièce. et il va perdre la dame après. Voilà. Donc il s'est décalé. Il a fait roi F8. J'ai fait. Alors, je suis obligé de prendre de la tour. Sinon, il y aurait dame prend tour. Et donc, tour prend H7, qui est logique, qui menace tour H8 mat. Il a fait cavalier E6, qui empêche tour H8 parce que la dame défend. Et ici, bon, alors K prend E6, ça aurait été suffisant. Il y a bien des choses qui auraient été suffisantes puisque j'ai même l'avantage matériel. Mais j'ai choisi de jouer cavalier H5. Peut-être qu'on pourra faire chercher le prochain coup aux internautes. Absolument. Donc cavalier H5. Force dame E5, c'est la seule case pour continuer de contrôler la case H8. Et ici, effectivement, peut-être que vous pouvez essayer de chercher le prochain coup des blancs. Comment Romain a-t-il terminé son attaque dans cette position? On sent que qu'il y a quelque chose, mais il faut trouver quoi? Alors qu'on a des spectateurs très jeunes, comme Diane qui a 10 ans. Qui participe beaucoup sur le chat. Alors je vois que c'est un peu dissipé sur le chat et pour l'instant on n'a pas la réponse. Ah voilà, il y a Élise qui était concentrée. Alban aussi. Alors Pascal qui était dans l'idée, il voulait essayer de faire F4 pour dévier la dame, Mais il y mais... aurait un point de 3 sur échec. Il prend sur échec, ouais. Et après, il peut éventuellement revenir sur D4. Réponse arrivée de partout. Effectivement, dame F5 échec. Bien joué, tous ceux Bien qui ont trouvé. joué tout le monde. Dame prend F5. Et tour H8 mat. Très Voilà. joli mat. Sacrifice de dame assez thématique. Même pas un sacrifice ici, parce que j'aurais On pu n'aurait même récupérer. pu prendre. Déviation assez thématique. Donc voilà, même si c'était contre un adversaire relativement moins bien classé que moi, voilà, j'étais assez content de cette partie parce que, voilà, comme je disais, surtout ce placement des pièces blanches juste avant les sacrifices que je trouvais
que je trouvais optimale. C'est assez rare que dans une position, il n'y ait pas une pièce où on se dise, bon, cette pièce-là, quand même, j'aimerais bien la mettre ailleurs. Voilà, là, Tout c'est est parfait pour le placé, moment. placé parfaitement avant de frapper avec les tactiques. Absolument. Superbe. Alors, je regarde un peu d'abord, peut-être qu'est-ce qu'on va montrer dans ce qui nous reste. Alors, on ne pourra pas montrer la très très belle partie de Maxime Bachelleraf contre Dingley Ren. Donc, on vous la conseille. Alors, on Effectivement, me. pas celle qui s'est jouée il y a une semaine, mais la partie Vachelera-Dingliren du même mémorial à Lekin où Laurent Fraissinet avait battu Kramnik. Voilà, donc le même tournoi, dans le même tournoi, les deux Français qui font chacun un prix de beauté. Ça avait pas dû être facile de savoir à qui attribuer le prix de beauté. C'était voilà, la partie Vachelera-Dingliren 2013, mémorial à Lekin à Paris. Superbe. Bon, ça va être une domination totale, vraiment totale. Les pièces noires étaient paralysées du premier au dernier coup et c'était vraiment un chef-d'œuvre. Voilà, notez effectivement Maxime qui a gagné de nouveau contre Dingley Ren il y a une semaine dans le tournoi des candidats et puis qui avait aussi gagné une autre très belle partie contre le même joueur, je crois, 1 ou 2 ans plus Il avait tard. aussi battu Albion. À un moment donné, c'était le résultat normal. À chaque fois qu'il jouait contre Dingliren, il gagnait avec les pièces blanches. Mais entre-temps, Dingliren s'est renforcé, que ce soit dans les ouvertures, dans son jeu, dans son tempérament, et les points se sont faits un peu plus rares. C'était très bien que Maxime se remette aux bonnes habitudes. Et oui, Maxime, bon, qui a une autre partie très très célèbre, hein, sélection, tu l'as dit au départ, très dure la sélection de partie de Maxime Vachelagraf pour en choisir seulement une ou deux, vraiment difficile vu toutes les belles parties qu'il a jouées, bah, une des plus célèbres, celle contre Morozevic, à Bienne également. Il y avait aussi celle contre Morozevic. Alors ça, celle-là, je l'aurais presque montré sous l'œil de la défense, puisque Ouais, exact. Ah oui, c'est vrai que c'est l'attaque contre les joueurs français, donc là ça rentrait pas trop dans le thème. mais effectivement, une partie Morozevic va chez la grave avec une tour noire enfermée en H7 à Bienne qui vole des tours. Donc oui, je ne savais pas trop combien de temps il nous resterait. J'avais prévu cette petite. Alors ça l'a. Là, c'est plus l'attaque entre les mains des Français, quoique on va Ouais. voir. Donc une partie, c'est une petite anecdote. Donc c'est une partie, c'est la dernière ronde du championnat du monde jeune à Belfort en 2005. Donc 2005 où j'avais pas de prétention de titre ou quoi que ce soit. C'était la dernière ronde et on jouait à peu près, bon, je sais pas, table peut-être table 10 ou 15. Donc c'était pas une partie très très importante. Partie dans laquelle j'avais eu l'avantage tout du long avec les noirs, mais mon adversaire jouait très vite et je m'étais retrouvé à un moment donné avec 30 secondes contre 1 heure et demie ou 1 heure 50 Wow. des coups difficiles à jouer jusqu'au moment où j'ai eu cette position où, alors je sais plus quel était mon dernier coup ici, mais c'était un coup de désespoir. Et ici, mon adversaire a fait fou prend G7 avec la tour qui débarque en C7 et voilà, je suis. Au début, j'ai failli abandonner, puisque la tour arrive en C7 et je perds la dame, jusqu'à ce que je vois une petite idée d'arnaque. Et donc j'ai tenté de jouer quelques coups. J'ai joué roi prend G7, tour C7 échec, roi H6, dame F8, roi G5, F4, fourchette roi dame, mauvaise Fourchette blancheur, royale. Et fourchette royale. du pion est-il temps d'abandonner? J'attends normalement d'abandonner, mais j'ai vu une dernière petite astuce et je me suis dit, on va la tenter. J'ai joué roi G4, donc je rappelle que ce moment-là, j'ai toujours mes 30 secondes. Puis on prend E5, D2. Et là, mon adversaire qui avait tout le temps du monde à la pendule pour trouver une bonne manière d'éviter D1 dame, voilà, par exemple, il aurait pu le faire avec dame D6, avec dame D8, avec tour C4, échec. Pour forcer roi F3 et faire tour F4 échec et revenir par exemple en F1 au pire des cas. Il aurait même pu faire roi G2 ici qui gagnait. Et tour C4, roi G2 pour menacer H3. Il y avait absolument tout qui gagnait ici pour les blancs. Et mon adversaire a joué tour D7 en 1 seconde dans cette position. La Et tour après, derrière le pion passé, on dit. la tour derrière le pion passé, sauf qu'après roi F3, c'est nul. Déjà. C'est nul parce que les blancs n'ont pas d'échec, à part tour D3 qui perdrait et dame prend F5 qui perdrait aussi.
Les blancs n'ont pas d'échec et la menace est tour B1. Donc les blancs sont obligés de bouger leur pion H en H3 ou H4, ça change rien. H4 a été joué Oups, par les H4, blancs pardon, ouais. pour Il est, éviter de il se faire fait un une mat. case, Roi prend ouais. G3. Remenace mat. Mat. Pardon. Et il n'y a toujours pas d'échec pour les blancs. Donc, je suis obligé de faire Roi F1. Je suis obligé de faire Roi F3. Et il est obligé de repartir en G1 et nul. Donc c'était voilà, c'est une partie que j'ai en mémoire parce que voilà, c'est probablement la plus belle arnaque de ma vie. Et bon voilà, c'était pas une partie non plus très importante, donc il n'y a rien eu de gravissime. Mon adversaire l'avait pris avec le sourire. Je me rappelle d'ailleurs, il m'avait amusé parce que bon, il rigolait un petit peu après qu'on se soit serré la main, et puis du coup il faisait un peu de bruit, et la personne qui était un des joueurs qui était assis à côté de nous l'a regardé, il lui a dit chute, et en gros il l'a regardé en lui faisant des oreilles du genre laisse-moi tranquille pendant au moins 20 secondes s'il te plaît. Alors là, c'est vrai que c'est étonnant comme sauvetage. Donc, bah, c'est une bonne leçon pour le joueur des blancs, hein. Ne jamais croire que c'est trop facile les échecs. Et puis, oui, d'habitude, il y a ce pion là, hein, qui bloque. D'habitude, le roi peut poursuivre sa route, mais là, il est coincé par le pion et il est obligé de repartir de l'autre côté. Et à chaque fois, il y a la menace de mat et le roi qui est intouchable. Incroyable, pas d'échec. Et le prochain livre, alors voilà, bah ça tombe bien, on fait la transition sur les livres. C'est Thomas qui nous fait la transition. Entraînement au calcul, les arnaques les plus belles. Alors il y a des chapitres sur ça dans tes livres, il me En semble, fait, cet Romain. exemple-là est déjà dans un de mes livres. Il est dans le manuel des erreurs évitables, D'accord, justement. alors c'est la transition est vraiment toute trouvée. On a montré beaucoup de positions d'échecs. Maintenant, on va parler un peu des livres de Romain. Alors, il vous l'a dit tout à l'heure. Maintenant, bien sûr, il continue sa carrière de joueur professionnel, mais pas seulement. Il fait aussi beaucoup de publications et il travaille sur différents livres. Donc, on va en montrer quelques-uns. Alors, je vais enlever l'échiquier. Donc, n'oubliez pas, après, on fera la séance de questions-réponses. Alors là, si vous avez déjà des questions sur le livre, bien sûr, n'hésitez pas, hein. Mais je vais laisser Romain un petit peu présenter ses publications. Donc, tous ces livres qui sont publiés chez l'éditeur dont on avait déjà parlé la semaine dernière avec Christian, c'est Thinkers Publishing. Absolument. Donc, l'exemple qu'on vient de voir, il apparaît d'ailleurs dans le livre Orange, le manuel des erreurs d'évitables que vous voyez à gauche, et je peux même vous le montrer à la caméra. Vous voyez, j'en ai chez moi. Et effectivement, alors c'est un livre c'est un livre qui parle des erreurs évitables aux échecs. Donc, je reprends mes parties, que ce soit des victoires ou des défaites, et j'explique d'où sont venues les erreurs, ce qui n'a pas été dans mon procédé de réflexion. J'explique principalement comment on peut éviter au moins une partie des erreurs, par exemple en gérant mieux son temps. J'explique, par exemple, voilà, dans cet exemple que je viens de montrer, j'explique que quand vous avez une partie archi gagnante et que vous avez 1 heure à la pendule contre 30 secondes, ça sert à rien de jouer votre coup à tempo. Posez-vous, le point est acquis, c'est pas le moment de tout gâcher. Et voilà, tout le livre, ce sont des exemples, alors pas des exemples, pas forcément des arnaques aussi frappantes. Voilà, voilà, le premier chapitre, c'est sur l'objectivité au long d'une partie. Donc voilà, par exemple, je vais vous expliquer que très souvent, une erreur en cache une autre dans une partie. Surtout quand on se rend compte qu'on a fait une erreur, on a tendance soit à être atteint au moral, soit à vouloir la rattraper. Il y a tout un tas de raisons qui font qu'on recommet une erreur après en avoir fait une première, alors qu'il n'y a qu'une seule raison de continuer à bien jouer si vous venez de faire une erreur, c'est de tout reprendre à zéro et de se dire, bon, ben voilà, l'erreur, elle est faite. Je ne peux pas reprendre mon coup, je ne vais pas essayer de faire du bricolage, l'erreur est faite, je reprends tout à zéro. Au lieu d'être un peu mieux, par exemple, je suis un peu moins bien, mais ça ne sert à rien de m'envoyer en l'air. Voilà, il faut parfois être capable de faire un petit peu reset dans la tête. Donc voilà, j'explique ce genre de choses, j'explique un petit peu le genre de coup qu'il faut éviter de jouer en death note pour éviter, parce que c'est pas bien d'être en death note, le mieux c'est de mieux gérer son temps avant, mais parfois vous ne pouvez pas éviter d'être en death note, et il y a certains types de coups qu'il faut éviter, par exemple les coups qui nécessitent trop de calcul. Donc il va falloir privilégier les coups simples, etc. Ne jamais se laisser tomber sous les 4 ou 5 secondes,
puisque vous risquez de perdre le fil, de plus vous rappeler de votre coup et de devoir faire n'importe quoi, et vous perdrez la partie quoi qu'il arrive. Donc voilà, avec aussi quelques conseils de travail. Voilà, ça c'est le manuel des erreurs évitables. Voilà, alors Laurent qui nous dit je trouve que c'est un très bon livre, le manuel des erreurs, je l'ai dédicacé chez moi. Voilà, tu lui as dédicacé. Alors il y a Thomas qui disait entraînement en calcul, je l'ai, il est bien, mais compliqué. Alors ça rebondit sur une autre question qui était pour quel niveau sont ces livres? Alors, le manuel des erreurs évitables, c'est principalement de la lecture. Alors, après, les analyses de parties peuvent être, par exemple, pour un joueur débutant, un petit peu poussées. Donc, voilà, un joueur débutant qui lit ce livre-là, peut-être qu'il faudra qu'il le relise dans quelques années pour comprendre certaines finesses. Mais les conseils restent là. La plupart les conseils sont verbaux. Et donc, ce qui est important, c'est de lire ces conseils-là qui sont vraiment applicables à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous ayez 1200 Elo ou 2200 Elo, il y a certaines choses que vous allez lire, vous allez forcément vous reconnaître dedans, puisque voilà, les échecs, ça marche pareil pour tout le monde, quel que soit le niveau. Les erreurs en général proviennent des mêmes choses. Donc après, il y a aussi évidemment toute une partie échecs, analyse dans le livre et même quelques exercices. Et là, évidemment, ça sera plus facile pour les joueurs confirmés que pour des joueurs débutants. Mais ce livre-là est accessible à tous, à mon sens. Oui, Thomas qui disait que c'était peut-être entraînement au calcul qui était plus compliqué. Entraînement au calcul, alors, est plus compliqué, et c'est pour ça. Alors, donc, entraînement au calcul, celui que vous voyez en haut à gauche, que j'ai là aussi d'ailleurs. Donc, c'est le premier tome d'une série, mais j'ai seulement traduit le tome 1 en français, parce que c'est trop de travail, la traduction en français, j'avais pas le temps de le faire pour les tomes 2 et 3. Donc, entraînement au calcul, le tome 1 sur les milieux de jeu, et en français ou en anglais, le tome 2 sur les finales seulement en anglais, et le tome 3 sur les parties historiques seulement en anglais. Donc, en fait, j'essaye. Donc ça, bon, comme le dit le titre, c'est un entraînement au calcul, donc ce sont des exercices, mais que j'essaie de présenter d'une façon beaucoup plus pédagogue que ce que vous allez trouver sur Internet, si vous faites les concours d'exercices, par exemple, sur chess.com ou chess24, etc. Voilà, là, le livre, ce sont donc des exercices pour un niveau assez confirmé. Même si le livre commence par un échauffement, etc. Et il est classifié, ce sont pas juste des centaines de positions mises bout à bout avec chercher le gain, niveau 1, niveau 6, niveau 8, niveau 2, etc. C'est répertorié. J'ai essayé de m'approcher le plus possible dans mes exercices de la situation qu'on ressent dans une partie d'échecs. Et c'est pour ça que les exercices sont présentés sous plusieurs angles. Par exemple, des fois, il faut trouver des coups de défense, ou encore des coups stratégiques, ou encore faire le choix entre deux coups. Alors évidemment, quand je donne le choix entre deux coups, il y a forcément un piège. Ou alors, dans une série de coups, trouver où l'erreur a été commise. Voilà, les exercices sont vraiment présentés de façon originale pour essayer de tirer le maximum de chaque position, et que ça soit pas un entraînement voilà ça, que ça soit pas un entraînement mécanique. Voilà, faire des maths en 3, des maths en 4, etc. sur Internet, c'est bien pour le côté mécanique, ça fait progresser, mais là, en plus de faire progresser le côté mécanique, vous progressez aussi aux échecs, parce que les positions, ce sont que des vraies parties. Et comme je dis, je place les exercices sous un angle bien choisi, enfin bien choisi, un angle en tout cas que je choisis moi. Et voilà, donc le tome 1 sur les milieux de jeu, le tome 2 sur les finales, et le tome 3. Le tome 3, il y a des milieux de jeu et des finales, mais ce sont que des parties qui datent d'avant 2000. Donc voilà, le but, c'est aussi d'apporter un petit peu de culture générale avec voilà, des classiques, ou encore, voire même certains classiques que j'ai un petit peu essayé de remis de, que j'ai un petit peu essayé de remettre à l'ordre du jour, puisque parfois on trouve des erreurs dans les vieilles parties qui sont analysées, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Oui. Voilà, j'ai en faisant le livre, j'ai trouvé des nouvelles choses. Ok, ça marche. Le troisième tome, donc en anglais, sur les parties historiques. Ouais. Et Alors je donc, du coup, remets. effectivement, oui. Ouais, pardon, ouais. Je remets le. Donc je vous mettais les titres, hein. Voilà, je vous avais affiché les titres. Donc là, c'était entraînement au calcul. Donc on a parlé du manuel des erreurs évitables.
L'entraînement au calcul avec les trois tomes, donc le premier en français, les deux autres seulement en anglais. Et maintenant, je pense que s'il y a un livre très sympa aussi, c'est le livre sur tes années avec Topalov. Alors, on en a dit un tout petit mot tout à l'heure. Je vous remets les couvertures. Donc, regardez, c'est celui qui est en haut à droite. Donc, il existe en anglais et en espagnol. Effectivement, il a été traduit en espagnol, pas par moi d'ailleurs, mais pas en français. Donc oui, c'est un livre sur, j'ai envie de dire, les plus belles années de ma vie, celle où j'ai travaillé avec Topalov de 2010 à 2014. Donc voilà, je raconte beaucoup de choses, donc que ce soit des histoires, des anecdotes sur le personnage, la façon dont on s'est rencontrés, comment on travaillait, comment on cherchait les nouveautés, etc., etc. Donc j'analyse évidemment certaines de ses plus belles parties dans le livre, aussi quelques-unes de ses défaites. En fait, je fais une sorte de récit de ses 4 ans. J'essaye que le lecteur puisse vivre ça un petit peu de l'intérieur. Je montre même certaines idées qui finalement n'était pas sorti sur l'échiquier, je les donne dans le livre. Qui peuvent servir donc, éventuellement. Ils peuvent servir, quoique la plupart maintenant, depuis le livre est sorti quand même depuis un an, il y a la plupart des trucs ont été joués maintenant. D'accord. Donc voilà, je raconte, voilà, c'est plein d'anecdotes, c'est voilà le rapport entre un joueur et son secondant Ouais, c'est assez rare qu'on ait des infos sur ça. En général, tout est secret. Ouais, c'est-à-dire que lui, il était content que j'écrive ce livre. Mais si sa carrière de joueur d'échecs, bah, mais c'est aussi parce qu'il a plus ou moins arrêté sa carrière de joueur d'échecs vers 2014, quand on a arrêté de travailler ensemble. Il joue encore de temps en temps, mais il le prend moins au sérieux. Donc là, au contraire, il était content de voir un livre. Évidemment, il savait que ce sera un livre bien pour son image, puisque voilà, je pense que du bien de Topalov, et donc forcément, je dis que du bien de lui dans mon livre. Et donc voilà, il était au contraire content de voir. Il a même écrit la préface du livre. Donc, il m'a encouragé à écrire le livre, alors que voilà, d'autres joueurs auraient pu dire non, non, t'écris pas, je veux pas que certaines choses se sachent. Est-ce qu'il a vérifié tout ce qu'il y avait dedans ou il te faisait complètement Alors, il confiance? me faisait confiance, je lui ai envoyé quelques chapitres, juste pour qu'il me dise que ça lui plaît. Voilà, il y a très très peu d'infos qu'il m'a pas autorisé à donner. D'accord. Voilà, donc comme il le dit dans la préface, voilà, c'est un livre avec que la vérité du début à la fin, et un livre ouvert d'esprit. Et donc, effectivement, il y a peu de joueurs qui ont cette autorisation de la part de leur peu de secondants qui ont cette autorisation de la part du joueur de divulguer des choses comme ça dans un livre. Ouais, bah ça marche, bah profitez-en, voilà, vous l'avez soit en anglais, soit en espagnol, selon votre préférence. Et puis le dernier dont on n'a pas parlé, c'est le calcul pour les enfants. Alors pareil, il est en anglais, c'est ça? Alors, il est seulement en anglais, effectivement. C'est un livre que j'ai écrit parce que voilà, nous, on travaille, la maison d'édition travaille principalement en anglais, et on nous a demandé d'écrire ce genre de livre. Donc, il n'est pas, ou en tout cas pas encore, traduit en français. Et justement, tout à l'heure, quelqu'un me disait dans le chat que l'entraînement au calcul était un petit peu trop difficile. C'est pour ça que j'avais fait cette nouvelle série. En fait, vu que le modèle plaisait, mais que les gens avaient tendance à trouver les exercices trop difficiles, j'ai commencé cette nouvelle collection. En fait, c'est exactement la même chose, la même façon de répertorier les parties, sauf que c'est pour un niveau très inférieur, donc pour les enfants ou joueurs de club. Le tome 1, c'est sur. Le tome 1, ça s'appelle Checkmating. Donc, c'est. En gros, il faut faire échec et mat. Voilà, le tome 2, je pense que ce sera. Je pense que je suis en train de l'écrire, mais je pense que ce sera gain de matériel. Le tome 3, je ne sais pas encore, mais voilà, j'ai déjà les matériels pour les tomes suivants. Ok, ça marche. Et alors, ça parle un peu sur le chat. Il y a une question. Il y avait une question de Pascal, mais je crois que je l'ai ratée et il en a fait une nouvelle entre-temps. Alors oui, la semaine prochaine, c'est 20h30, hein, la masterclass. Je regarde un peu le chat. Comment se passe la rencontre entre un candidat au titre mondial et un très fort grand maître pour se seconder? Ah bah, il faut acheter le livre, c'est écrit dedans. Voilà. Effectivement, je raconte dedans. Alors, dans la plupart des cas, ce sont les joueurs qui contactent
Bon, les joueurs se connaissent quand même entre eux. Un joueur comme Topalov sait à peu près qui sont les jeunes joueurs qui traînent autour de 1650. Et donc, c'est assez souvent que ce soit les joueurs qui fassent la démarche d'aller chercher leur secondant. Dans mon cas, c'est moi qui ai envoyé un mail au manager de Topalov. Et voilà, après Topalov, lui a pris la décision de faire un essai, de m'inviter à une session d'entraînement. Et ensuite, voilà, ça lui a plu, ça nous a plu à tous les deux, on a continué. Mais dans mon cas, c'est moi qui avais fait le premier pas. Ok, ouais, ça marche. Oui, et donc je disais sur le chat, je voyais que ça parlait de ta série sur la défense française, aussi série vidéo sur Chess24. Effectivement, donc la défense française que je joue maintenant depuis quelques années, et j'ai fait une vidéo série pour Chess 24, effectivement, une vidéo série en français et en anglais qui va durer peut-être, je sais pas, 6 heures, quelque chose comme ça, mais ça vous donne un répertoire vraiment complet sur la défense française. Donc pour ceux qui Avec les veulent noirs. jouer la française avec les noirs, voilà un répertoire complet en vidéo. Et il y avait une question sur l'italienne. Alors là, oui, il y a une masterclass, hein. Vous avez toutes les masterclass sur une grande page. Je mettrai le lien aussi dans la description. Et on avait parlé l'année dernière avec Marc de la partie italienne. Voilà. Donc on a bien présenté ces livres. Je crois qu'il est temps de faire la séance de questions-réponses. Bon, bah, qu'on a déjà commencé en fait, hein, donc on va la continuer. Alors là, si vous avez des questions pour Romain, j'en ai déjà vu passer sur le chat. Tu peux aussi ouvrir le chat, Romain, pour voir s'il y a des questions que tu as envie d'attraper au vol. Donc, alors, Team Chess, quelle est la meilleure façon d'améliorer notre stratégie? Alors, la stratégie, ça fait partie des choses les plus difficiles à travailler, puisque voilà, c'est pas comme le calcul qui se travaille, c'est pas comme les ouvertures qui se travaillent de manière très très concrète. Pour progresser en stratégie, voilà, il faut regarder un maximum de parties, il faut lire des livres de joueurs qui maîtrisent leur sujet, par exemple des livres d'Andrei Sokolov ou encore de Yusupov, de Dvoretsky, etc. Des livres de Gelfand aussi, même si voilà, je ne devrais pas faire de la pub pour une autre maison d'édition, mais c'est vraiment un très bon Une livre petite exception. de Boris Gelfand. Voilà, regardez, voilà, ce sont des recueils, voilà, ce sont des recueils de parties analysées par des forts grands maîtres. Qui ont, pour ceux que j'ai cités, cette qualité de pas trop regarder l'ordinateur et de vraiment expliquer les choses par eux-mêmes. Et donc là, vous apprenez beaucoup plus au point de vue stratégique que si vous êtes un grand maître qui vous raconte les variantes de l'ordinateur. Après, ils vérifient leur travail avec l'ordinateur, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas de publier un truc et qu'à un moment donné, ils expliquent. Ça sert à rien de donner une variante positionnelle si ça donne une pièce au deuxième coup. Donc, c'est vérifié, mais voilà, ce sont, voilà, par exemple, quelqu'un comme Ivan Sokolov, il fait vraiment son travail principalement avec sa tête. Alors, petite question, à quel âge tu as commencé à jouer aux échecs et à quel âge tu es devenu grand maître? J'ai commencé à jouer un tout petit peu avant mes 5 ans et je suis devenu grand maître un petit peu avant mes 18 ans. Non, juste après mes 17 ans. Juste après mes 17 ans. Alors, Elise qui pose une question, est-ce que tu as un livre à conseiller pour jouer le Gambit Benko? Eh bien oui, il y a un livre de Perunovic, le grand maître Perunovic pour Thinkers Publishing. Sur le Gambit Benko qui est très bon. Donc je vous conseille. Ben, ça tombe bien. Hop. Voilà. N'hésitez pas à visiter de toute façon le site de Thinkers Publishing. Et voilà, si vous souhaitez commander, vous pouvez même utiliser le code FFE et vous aurez une petite remise exceptionnelle. Et ben voilà, donc code pour commander. Je ne l'aurais pas dit, mais j'ai fait tout à l'heure un code FFE qui donne 15% sur toutes les commandes. Ah bah super, voilà J'ai pour demandé les pour avant ceux que je me fasse gronder. qui veulent commander. Donc ne le dites surtout pas à Thinkers Publishing qui est pas au courant, mais profitez-en en tout cas. Ah, ils sont assez. Et le patron est indulgent avec moi. Ok, ça va. Alors, c'est le moment de poser vos questions à Romain-Edouard. Profitez de sa présence. On est très content qu'il soit là dans cette masterclass. Alors, Laurent, qu'est-ce qu'on apprend le mieux avec des livres? Et sur quel livre? Qu'est-ce qu'on apprend le mieux sur l'ordi et comment?
Alors, je pense que, ouais, une question Alors, plutôt sur les modes d'apprentissage, peut-être. l'ordinateur est devenu indispensable. Déjà, c'est vraiment une source, voilà, c'est la source la plus facile pour avoir un maximum d'informations le plus vite possible. Évidemment, ce qui se perd, voilà, au contact d'un livre, et, voilà, en général, dans les livres, on a tendance à moins suivre la variante de l'ordinateur, donc on a cette tendance à être plus humain. On a aussi tendance à le lire avec un échiquier à côté, et même sans échiquier. On se rapproche avec, voilà, avec un diagramme papier, on se rapproche un peu plus de l'échiquier qu'avec un écran. Donc voilà, avec l'ordinateur, on a tendance un petit peu à s'éloigner va dire, de la vieille école qui était quand même très utile aux échecs et qui avait fait ses preuves. Donc je dis pas que la nouvelle école est mauvaise, mais le mieux, c'est quand même, voilà, d'essayer de contrebalancer un petit peu entre les deux, de prendre ce qu'il y a à prendre sur Internet, les vidéos, etc., mais quand même aussi de lire quelques livres pour ne pas, voilà, pour ne pas perdre un petit peu. Il y a beaucoup de grands maîtres aujourd'hui avec des forts élos qui, j'ai envie de dire, comparés à d'anciens joueurs qui avaient beaucoup moins d'élos, comprennent pas grand-chose sur un échiquier. Ils vont mieux calculer, ils calculeront plus loin. Ils sont plus habitués aux variantes de l'ordinateur, etc. Mais il y aura une classe d'écart au niveau de la compréhension du jeu avec des joueurs pourtant moins bien classés. Et là, la différence, c'est voilà, quels sont ceux qui poussent le bouton de l'ordinateur tout le temps et quels sont ceux qui ouvrent un bouquin de temps en temps. Voilà, donc de ne pas trop s'éloigner du support papier, des livres et de l'échiquier en bois. Voilà. Alors, alors, il y avait une question un peu spéciale de Maxime. Quand je suis en Zeitnote, j'essaye de jouer plus vite, mais paradoxalement, je mets encore plus de temps. Est-ce que tu as des conseils? Oui, bah ça fait partie des choses dont je parle dans le manuel des erreurs évitables. Quand vous êtes en Zeitnote, il faut absolument essayer de jouer le plus simple, éviter de laisser vraiment de laisser le drapeau presque tomber, de devoir jouer un coup en catastrophe. Donc voilà, il faut voilà, essayer de jouer des coups simples qui ne soient pas forcément les meilleurs, mais voilà, qui ne vont pas vous mettre dans une situation terrible à devoir jouer avec 2 secondes ou à devoir calculer des variantes incalculables en Zeitnote. Voilà, choisissez plutôt les coups simples, essayez de poser des questions, de laisser du choix à votre adversaire pour ne pas vous prendre une réponse à tempo et pour pouvoir ensuite, parce que si vous donnez du choix à votre adversaire, vous allez le faire réfléchir et vous allez pouvoir réfléchir vous-même. Voilà, mais surtout être capable de jouer les coups simples et essayer le moins possible de changer d'avis en Zeitnote, parce qu'en Zeitnote, on arrive en Zeitnote pourquoi? Parce qu'on s'est posé plein de questions. Et souvent, après ensuite, on arrive en Zeitnote et puis on ne joue pas les coups qu'on avait prévus. Alors que finalement, si on arrive en Zeitnote, c'est qu'on a passé du temps à réfléchir sur ces choses-là. Et souvent, on prend des décisions complètement contradictoires, alors qu'il suffit, tant qu'à s'être retrouvé en Zeitnote, autant que tout ce temps dépensé à réfléchir ait été dépensé utilement, essayez de jouer ce que vous avez prévu. Vérifiez, voilà, on vous donne 30 secondes par coup. Admettons que vous êtes à 30 secondes. Prenez 10-15 secondes pour vérifier que votre coup n'est pas mauvais et pas trop mauvais. Mais évitez le plus souvent de changer d'avis, parce que si vous changez d'avis, vous reprenez tout à zéro, vous n'arriverez jamais à tenir le fil de tout un Zeitnote. Merci Romain. Alors plein de questions. Alors une question que je trouve intéressante de Cécile. Quand on débute, vaut-il mieux jouer en partie lente ou en partie rapide? Je pense que les deux sont bien, mais bonne question. Sans doute complémentaire en fait. Quand on débute, je dirais plutôt des parties rapides, pas trop rapides pour quand même avoir le temps de réfléchir, mais quand on est débutant, je suis pas sûr que 2 heures à la pendule ça Oui. avance à grand chose. Donc je Tout dirais au plutôt début, comme on n'a pas partie forcément rapide. trop de connaissances, on n'a pas forcément besoin d'avoir énormément de temps. Et déjà, avec tes parties de 15 minutes, on peut essayer de jouer, de se faire plaisir aussi, jouer plusieurs parties dans la journée, dans l'après-midi. J'essaie aussi de suivre un petit peu le chat. Ouais, il y a beaucoup de choses, hein. Alors, Rastafa, qui depuis tout à l'heure demande si tu as un livre à conseiller sur l'ouverture italienne, mais il veut voir toutes les variantes possibles. Est-ce que j'ai un livre à conseiller, c'est ça? Ouais, sur l'italienne.
Bah, c'est un sujet qui manque des livres d'ailleurs. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on C'est publie. marrant parce que ouais, c'est une ouverture très à la mode depuis plusieurs J'aimerais bien qu'on années. publie un livre sur l'italienne, effectivement. Et là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, effectivement. Donc, je ne saurais pas quoi conseiller. Ouais, je sais, j'en ai pas en tête non plus. Il y a peut-être, hein, mais. Bah, en tout cas, pas ces toutes dernières années. Il y a des répertoires avec les noirs qui incluent l'italienne. Mais... Avec les blancs. Avec les blancs, c'est un sujet à prendre. Il faudrait que quelqu'un écrive Ah, sur c'est le l'italien. premier qui sort là. Alors, le chat, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? On va prendre encore quelques dernières questions. Une soirée bien remplie. Ah oui, il y avait une question sympa de Stéphane. Que faut-il faire ou changer quand tu atteins et restes pendant longtemps sur un palier en termes de progression ou de classement? Alors, toutes les progressions se font par palier, donc il ne faut pas nécessairement s'inquiéter. Bon, après, si ça dure des années, c'est un petit peu embêtant, mais c'est assez... Avant une phase de progression, il y a souvent une phase de stagnation, le temps d'accumuler certaines choses. Et donc, non, il faut continuer de travailler. Après, il faut... par exemple, ça peut être que vos ouvertures ne vous conviennent pas. Dans ce cas-là, il faut changer d'ouverture. Mais voilà, si vous travaillez sérieusement, voilà, et notamment des jeunes joueurs en progression qui d'un coup se retrouvent pendant un an à pas progresser alors qu'ils étaient censés être en pleine bourre, c'est pas forcément grave. Voilà, ça peut arriver. Si les progressions se font par palier, c'est très très rare un joueur qui va prendre un jeune joueur par exemple qui démarre les échecs et qui prend 100 points tous les ans jusqu'à atteindre 2000, 2500 ou peu importe le niveau qu'il atteindra dans sa vie de joueur d'échecs, mais en général, voilà, il y aura toujours des grosses montées, des grosses prises de points Elo à un moment donné et des périodes aussi de stagnation. C'est normal. Et puis voilà, les échecs sont un sport cérébral, hein, donc on ne peut pas non plus commander son cerveau forcément. Parfois le cerveau est plus fatigué que d'autres. C'est comme ça. Bonsoir à Adresse Poubelle qui nous quitte. Bonne soirée. Induc. Les paliers l'année dernière, mon classement a explosé cette année. Je stagne. Ouais, ben les paliers c'est normal, voilà. Et c'est encore plus, je pense, avec les changements de classement Elo. Avec les coefficients 40 et tous les mois. Donc les classements qui peuvent faire pas mal de yo-yo. Quel livre conseiller pour connaître les structures de pions en français de préférence? De Laurent. Tour de pion en français. Faut aller dans les vieux livres. Alors oui, un très vieux livre sur les pions, un classique, c'est L'art de jouer les pions de Hans Kmor. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'on les trouve encore ces livres-là? Pas facile, je pense. Ouais. Je sais pas si on le trouve. Hein. Peut-être d'occasion, mais pas évident. Peut-être dans des bibliothèques, dans ce cas-là, carrément, des bibliothèques d'échecs. Et sinon, il y a le Flores Rios, est-ce que tu le connais, le Flores Rios sur les structures de pions? Non. On nous avait posé la question aussi la semaine dernière sur ce livre. Un livre que je vous recommande chaudement, voilà. Il fait des parties modèles par structure typique. Vraiment un très bon livre, et en français il existe, donc profitez-en. Vous l'avez aussi dans d'autres langues, bien sûr. Allez, peut-être encore une ou deux questions. Romain, que pensez-vous sur YouTube des leçons Diagonale la leçon? Je regarde souvent, mais c'est une vieille émission. Diagonale la leçon. Enfin, les vidéos de Diagonale TV, je pense. Ah, je regarde pas trop. Je connais bien Stéphane, donc je sais qu'en général c'est plutôt il est plutôt sympa à écouter, mais j'avais plutôt l'impression que c'était plutôt du spectacle que des cours d'échecs, non? Un peu des deux, un peu des deux. Mais effectivement, il y a eu quand même pas mal de vidéos qui sont souvent regardées. Il y a eu des très bonnes vidéos. Il y a eu Éloi qui a présenté pas mal de sujets, Jean-Baptiste Mulon. C'est vrai qu'il y avait du Jean-Luc Chabanon, je crois. Il y a eu pas mal de contenu. Et vous avez des vidéos, voilà, qui expliquent des choses. Alors c'est à vous de voir si vous aimez ou pas, si vous accrochez ou pas. Il y a des choses à apprendre dans tous les cas. Donc c'est vrai que maintenant, au niveau vidéo, il y a aussi beaucoup, beaucoup de vidéos plus modernes, avec beaucoup, beaucoup de sujets, y compris maintenant de plus en plus en français.
Donc vous avez un très grand choix de vidéos. Mais comme on disait tout à l'heure, des fois les classiques, c'est bien aussi. Et on peut dire quelque part que les vidéos Diagonal TV, c'est les vidéos classiques au niveau en français. Bon ben, je crois qu'on a fait une belle soirée, très très copieuse, beaucoup de choses. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était Merci très sympa. beaucoup Romain pour ta présence, pour ton temps. Avec plaisir. Donc tu disais que tu travaillais sur des nouveaux livres, tu nous as un peu cité quelques-uns. Donc le tome qui suit pour le calcul pour les enfants. Et il y en a d'autres peut-être. Y en aura d'autres. Et la série entraînement au calcul n'est pas terminée non plus. Et je vais aussi me mettre un petit peu à écrire sur les ouvertures. Je vais faire un petit peu. Mais bon. C'est sur plusieurs années. Hein. Ouais, ok, un travail de long terme. En tout cas, beaucoup de livres publiés par Romain. Bah, c'est Christian la semaine dernière qui se demandait si t'étais pas maintenant l'auteur français le plus prolifique. Est-ce que qu'est-ce qu'il y a, y a un C'est Français qui possible écrit plus que toi en ce moment, plus de livres? je pense pas. Ouais, c'est ça. Donc Romain qui est celui qui publie le plus de livres maintenant en langue française. Alors en langue, dans toutes les langues d'ailleurs, hein, anglais, français, avec des traductions espagnoles aussi. Voilà pour cette soirée. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Dans la description, tous les liens. Hein, donc si jamais vous souhaitez apprendre les échecs, les vidéos d'initiation, le lien sur toute la page des masterclass où vous retrouvez d'ailleurs donc les quatre exercices préparés par Romain, quatre exercices sur le même thème, hein, l'attaque entre les mains des joueurs français, donc quatre exercices pour vous. Par la même occasion, vous aurez donc le lien du site de Thinkers Publishing avec ce petit code, voilà, je le remets pour la fin, le petit code de promotion FFE, tout simplement, 15% de réduction sur les livres de cet éditeur. Pour la suite, c'est le tournoi de la Fédération dimanche à 14h en 10 plus 3. Voilà, donc cette fois, c'est pas un tournoi de Blitz. Pour ceux qui veulent avoir un peu plus de temps pour réfléchir, ça dure 2h30. Le mot de passe, c'est je reste chez moi. Toutes les infos seront publiées sur le site de la Fédération. Lundi soir, on retrouvera Antoine Favarel pour la masterclass du lundi soir. Et la semaine prochaine, ce sera Sophie Millier qui sera dans celle du vendredi soir. Merci à tous. Merci Romain. Merci Sylvain, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne soirée et à Bonne soirée. bientôt.